Salut Mathieu, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ce live en français sur la chaîne de l'IOF en direct, accompagné de Mathieu Puech. Salut Mathieu. Salut Robin, salut tout le monde. Merci Mathieu, encore une fois tu vas nous accompagner sur ce week-end de Coupe du Monde, première Coupe du Monde 2024 en direct donc de Olten en Suisse pour un week-end de sprint Mathieu avec eh bien le Chaos Sprint que l'on va suivre aujourd'hui, demain sprint individuel et eh bien sur ce Chaos Sprint voilà on a les premières images hein, de Olten, petite ville de 20 000 habitants en Suisse, des qualifications qui ont eu lieu hier Mathieu et on va pouvoir déjà bien rentrer dans le vif du sujet, parler des demi-finales que l'on va suivre dans quelques instants avec le quart final qui s'est déroulé il y a quelques instants. Et oui, ils étaient 250 athlètes au départ, sur la ligne de départ des qualifications du KO. Et ben maintenant, on va retrouver seulement les 18 meilleurs déjà. Il s'est passé les qualifications, puis les quarts de finale ce matin. Pour ceux qui ont déjà suivi ça, c'est un format très très nerveux. Ça va très très vite, les écarts sont infimes, ça joue souvent sur la ligne d'arrivée. Et on va voir ça, j'espère, avec des courses très excitantes sur ces demi-finales, puis finales de Chaos Sprint. Et ouais, ce fameux Chaos Sprint, hein, Mathieu, qu'on aime tant, voilà, toujours aussi spectaculaire, ça se joue à rien du tout, on le sait, et bien rien que déjà durant les qualifications et puis les quarts de finale tout à l'heure, des surprises avec des têtes de liste, hein, des têtes d'affiche qui ne sont pas passées, qui ne seront pas en demi-finale. Oui, on peut commencer par la course des garçons, puisque c'est les garçons qui vont entamer la journée. Déjà en rappelant qu'il n'y aura pas le favori, le principal favori, le Suisse Mathias Kiburs, qui est vraiment l'épouvantail de cette discipline. Hein, il remporte tous les chaos sprints qu'il y a eu ces dernières années. Et il ne sera pas là. Lui, il prépare les Jeux Olympiques sur format marathon. Et donc, il laisse le champ libre toute une meute de garçons aux dents longues. D'autres favoris sont pas passés les qualifs ou les quarts de finale. Là, on peut citer entre autres Yannick Michiels, le Belge, Emil Svensk qui a été éliminé, on en reparlera tout à l'heure par un petit Frenchie, et puis Kasper Fosser, le favori pour le classement général de cette Coupe du Monde, qui lui aussi a été éliminé en quart de finale tout à l'heure. Alors, on va donc suivre cette demi-finale, hein, cette première demi-finale homme, trois demi-finales exactement, hein, avec les deux premiers de chaque poule qui passeront en finale. On va avoir la présentation de la carte dans quelques instants, et puis bien sûr, tu en parlais Mathieu, on parlera de nos Français, on aura la liste de départ qui nous sera présentée, trois Français, on peut déjà vous le dire, trois Français chez les hommes, une Française chez les dames qualifiées pour les demi-finales. Donc voilà, carton plein, hein, puisqu'ils sont tous passés entre la qualification et le quart de finale. Allez, la carte Mathieu pour cette première demi-finale. La bonne surprise, hein. La bonne surprise de ces quarts de finale, c'est que tous les Français sont passés. Et là, c'est vraiment super. On va pouvoir les suivre en direct, notamment sur cette course des garçons avec les trois Français qui vont s'élancer au fur et à mesure. Et là, on voit ce départ. Alors, on a un centre urbain assez plat et des choix qui vont être des droites-gauches relativement simples sur cette demi-finale. Et puis, on arrive sur le runner's choice. Alors, c'est... Alors, on reviendra dessus juste après, hein, effectivement. Ouais, on en reparle vite où en fait les coureurs peuvent choisir entre ces différentes variations, les bleus, les verts ou les roses. Et ensuite, on aura un passage à l'aréna et on repart pour la deuxième petite boucle. Alors, on sait, hein, sur ce format-là, souvent les coureurs sont assez défensifs, ils restent ensemble et ça joue beaucoup, beaucoup à l'emballage. Donc, on essaie de trouver, notamment avec le runner choice, une manière de les séparer un peu, mais c'est pas vraiment là que ça joue. Et là, on va arriver dans la partie finale où tout risque de se jouer, comme c'est souvent le cas. Ouais, on le sait, hein, l'emballement, voilà, est-ce qu'il faut partir seul un moment, est-ce qu'il faut rester dans le groupe pour le fameux kick, hein, ce fameux accélération sur la fin du parcours. Voilà, c'est ça le Chaos Sprint, et on verra donc tout à l'heure quelles sont les stratégies qui seront adoptées par les concurrents. Alors Mathieu, justement, revenons sur ce fameux runner choice. Alors là, les coureurs vont avoir 20 secondes juste avant de prendre le départ pour choisir entre trois variations possibles. Donc on va leur présenter les trois possibilités, A, B ou C. Et ce sera à eux de se décider en 20 secondes, savoir laquelle ils vont prendre, et sans savoir évidemment ce que les autres vont faire. Donc c'est une manière de mettre un peu d'incertitude pour les coureurs qui vont du coup devoir choisir entre ces trois possibilités-là. On a vu la A qui est un petit peu plus longue, mais qui évite la partie centrale avec des petits escaliers, des,
les petites parties de parc qui sont un peu plus difficiles à lire, donc peut-être certains vont être tentés de prendre cette option un peu plus longue. Ensuite, on a vu la B hein, qui passe, donc et la C à présent, la C est un petit peu plus court, elle me paraît assez intéressante, on n'a pas besoin de trop naviguer. Donc à voir, voilà, on a des options qui sur le papier sont quand même assez proches. On va voir si ça fait une différence entre les coureurs. Alors, maintenant la liste de départ, Robin. Donc, avec cette première des demi-finales, hein, avec, vous le voyez, notre Français Loïc Capbern, hein, spécialiste de ski au sprint, voilà, qui sera donc dans cette première demi-finale. Daniel Hubmann, hein, le vétéran suisse. Une demi-finale assez ouverte, hein, finalement, Mathieu, avec Jonathan Gustafsson, notamment le Suédois, qu'il va falloir surveiller. Ouais, mais attention, tu vois, moi, c'est qu'il est très, très en forme, le Finlandais. Jonathan Gustafsson, on l'annonce comme un des favoris aujourd'hui. On rappelle, il n'y a que deux coureurs qui passent hein, pour la finale. Donc Ricardo Rankin, spécialiste aussi du chaos sprint. Ouais, cette première demi, bon, de toute façon, il y a aucune à ce niveau-là, hein, on a les 18 meilleurs, hein, donc ça va vraiment être dur. Mais par contre, on a la chance d'avoir un Français dans chaque demi et ça va vraiment nous tenir en haleine. Ça va être super à suivre. La première donc demi-finale dans quelques instants et donc les deux autres Français, hein, vous l'avez vu en demi-finale, ça sera Mathias Barros-Vallée, l'Acadien d'Aix-en-Provence et puis Guillaume Vérov du Nord du club de Douai, voilà, on sait, hein, tout le monde nous regarde. Là, le rodeur de chasse qui est parti. Ouais, Cornelis Bjork, là qu'on voit à gauche, lui il a gagné, c'est le meilleur Norvégien en ce moment, il a gagné aussi son quart de finale, donc attention à lui. Et on peut dire il y a beaucoup de Norvégiens... mais on n'a pas Kaspar Fosser, donc attention aux Norvégiens, c'est des jeunes qui courent dans l'ombre. Et alors, donc là, on voit, ils ont 20 secondes, regardez, hop, les 20 secondes, ça passe très très vite. Et ensuite, vous voyez, hop, ils prennent la carte. Donc on a vu Thomas Sekila prendre la A, alors que Cornelis Bjork a lui choisi de prendre la B. Voilà, et chacun a pris comme ça. Alors normalement, on devrait avoir une petite tête qui s'affiche à droite. Hein. Effectivement, on va voir ce que Loïc Capbern, notre Toulousain, hein, on salue également. La B, donc on a vu Thomas Sekila trouver la A. Eh ben, Loïc Capbern a choisi la A aussi. Ouais, ils sont pas très très. Voilà, très sûr. Alors là-bas, tout le monde a A ou B, donc la version C a pas fait de. Des mules aujourd'hui. Donc, ça va se séparer. Allez, présentation de cette liste de départ. Thomas Ekila, tu le disais, Mathieu, le Finlandais. Ouais, il a été bon depuis les championnats d'Europe en Italie l'an dernier, et là, il a encore passé un cap. Son coach nous a dit qu'il avait travaillé son kick aussi, donc attention à lui, il n'était pas vraiment spécialiste KO, mais c'est en train de changer. Cornelis Bjork, on le dit, c'est le meilleur Norvégien actuellement, très très fort. Jonathan Gustafsson, lui, il a eu des médailles déjà en KO. Loïc, ben, on le présente plus, hein, le KO, il adore ça. Lui aussi, le kick, quand il est en forme, il est redoutable. Daniel Hubmann, c'est la surprise. Alors lui, on sait qu'il a 40 ans, c'est difficile pour lui, les formats aussi courts. Mais là, il a réussi à se qualifier en étant vraiment très très costaud, c'est la bonne surprise. Et puis Ricardo Rankin, l'homme à la casquette, qu'on connaît bien en France, qui vient s'entraîner de temps en temps en France, et ben lui, c'est un spécialiste KO, il adore ça aussi. Et donc voilà, on a quand même une demi relevée. Allez, attention, bientôt le départ. Allez, là, le départ, donc tu vas. On rappelle. Qui va se lancer. Et donc, on le sait, hein, de ce départ, eh bien, on reste dans le paquet, on prend en charge cette carte. Voilà, la carte qui est ouverte. La stratégie, on le sait, ça part jamais très très fort non plus, Mathieu. Hein. Ça dépend des coureurs. Il y en a qui aiment bien prendre la tête pour mener, d'autres qui aiment bien se cacher un petit peu derrière. Ça peut être très très tactique, comme ça peut essayer de partir fort selon les différents profils des athlètes. Et on voit Cornelis Bjork par exemple qui prend la tête et qui est le seul à faire le choix par la gauche, suivi maintenant avec Ricardo Rankin. On a un choix gauche-droite d'entrée de jeu qui est a priori assez, assez similaire. Donc on a des choix. Un peu de monde hein, dans les rues, Mathieu. On a vu des images tout à l'heure hein, en avant-course. Donc ça aussi c'est un paramètre. Attention, la circulation qui n'est pas coupée. Alors là, on voit bien le choix gauche-droite avec Loïc. Alors les GPS, attention aux villes, hein, on l'a vu aussi sur les quarts de finale pour ceux qui ont suivi ça. C'est pas terrible, très très aléatoire, on peut voir là. Mais ça donne au moins l'idée de qui est parti sur quel choix. Allez, on les voit à présent partir sur le choix 1-2. Vous voyez, pour le moment, ça reste groupé. Alors, c'est souvent le cas. Hein, on hésite quand même à quitter le groupe. C'est difficile hein, de faire le choix de partir seul, donc souvent ça court très très groupé, c'est tactique, et puis ça s'emballe au fur et à mesure. Et alors qu'on a vu Daniel Hubmann qui avait fait un choix différent.
Ouais, il avait fait une sortie de différence. Et pour le moment, voilà, ça, on n'est pas encore dans la phase où ça va accélérer. Donc, on ça contrôle. Hein, vous regardez, là, ils sont quand même dans un tempo très, très cool pour des athlètes de ce niveau-là. Et ça essaye aussi d'anticiper un petit peu. Et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la fin, ça va accélérer progressivement. Et tout le jeu, et on aime savoir les derniers postes, on aime suivre à quel moment ces athlètes vont peut-être se séparer, hein. On l'a déjà vu, hein, plusieurs fois ces dernières années sur ces chaos sprints. Il y a peut-être un moment où il y a une différence à faire de quelques secondes, il faut prendre l'initiative. Oui, mais souvent ça arrive quand même assez tard dans la course, parce que si on fait trop tard ce choix d'essayer de faire la différence, ben les autres vont rester en visu derrière et vont avoir le temps de revenir. Donc c'est vraiment compliqué de. Il faut être en contrôle, il faut voir s'il y a moyen effectivement d'aller gratter quelques secondes avec un choix plus judicieux. Mais c'est quand même un format qui se joue vraiment souvent dans l'emballage quand même. On a guère qu'une Tove Alexanderson chez les filles, qui est tellement au-dessus physiquement qu'elle peut se permettre de faire comme si elle était seule, de partir très fort. Mais généralement, ouais, chez les garçons en tout cas, on n'a pas ce. Personne est suffisamment au-dessus des autres pour pouvoir se permettre cette tactique-là. Allez, ça se sépare là. Ouais, ça se sépare là. Ça se sépare effectivement. Ça se resépare avec Oumad. C'est normal. C'est le début du runner choice. Donc, voilà. Là, c'est le poste 5, début du runner choice. Donc, pour le moment, ils étaient encore au poste 4. Mais donc là, on a la variation maintenant. Donc, logiquement, ça devrait se séparer au moins en deux flux. C'est là où il faut être vraiment très très en contrôle. Allez, Loïc qui part à droite, vous l'avez vu, Loïc qui part seul à droite, notre Français qui assume son runner choice, on l'a dit, hein, on le rappelle, le runner choice numéro sur deux options, donc si on s'endort un peu et qu'on part sur l'option des autres en suivant ceux qui ont pris l'autre option, ça peut être compliqué, donc c'est le moment où il faut être très très en contrôle. Et c'est important de savoir à quel moment le runner choice va commencer. Donc quand on fait le choix 20 secondes avant la ligne de départ, c'est très important d'avoir bien analysé à quel moment ça va se séparer. Donc là on a l'option, on en parlait tout à l'heure, où ils ont ce petit aller-retour dans le parc. Allez, un petit groupe de 4 là, et donc ils se retrouvent, hein, vous le voyez. Ils sont tous ensemble, hein, à nouveau les 6. Pas de différence, ouais, hein, sort, c'est sur runner choice. Zéro différence. Là, on a dit, c'était très très proche, mais il faut juste être bien concentré, bien réaliser sa variation en partant avec le bon. Allez, Mathieu, on rentre dans le money time, le passage spectacle, il reste une toute petite boucle. Ouais, pour le moment, difficile de dire ce qui va se passer. Ça a été vraiment une course d'attente pour le moment. J'espère qu'on aurait bien qui se replace en tête, visiblement il a. Il a envie de prendre les choses en main, mais là on l'a dit, il y a du lourd, hein, sur cette demi. On sait que Jonathan Gustafsson très très fort sur les finishes. Thomas Sekila qui a bien progressé aussi, Cornelius Björk super costaud. Là il va falloir être bon pour. Et ça se sépare. Ouais, ça se sépare, Mathieu, avec Gustafsson notamment, hein, qui est parti sur la droite. Il y a un peu plus de mal à suivre. Ouais, Daniel Oudman qui commence à craquer légèrement effectivement. C'est dur pour lui, c'est dur, c'est normal et c'est dur. Allez, Loïc, juste derrière Ricardo Rancan dans ce petit roux. Allez, il va falloir se replacer pour Loïc, hein, pour pouvoir passer en deuxième position. On le rappelle, hein, les deux premiers. Ah, la petite hésitation. Aïe, aïe, aïe. Allez, ça se sépare. On le rappelle, les deux premiers, hein, qui se qualifieront pour la finale. Ricardo Rancan, Gustafsson ensemble, vous le voyez. On est sur le long choix 12-13, là. Peut-être qu'on aura un petit peu de GPS. Et c'est là où ça peut vraiment faire. Là, on attaque l'emballage. Hein, donc, on a vu ça s'est séparé. Ah, Loïc qui est derrière. Aïe, aïe, aïe. Loïc en dernière position, le Français pour le moment. Qui tente le tout pour le tout maintenant. Daniel. Allez, donc pour l'instant. Et là, on est vraiment dans la phase d'emballage. Regardez, là il n'y a plus le temps de s'observer. Ah, c'est parti, là, effectivement. Ah, Ricardo Rancan pour l'instant en tête. Jonathan Gustafsson, vous le voyez, en deuxième position. Ça a l'air de coincer un petit peu pour Thomas Ekila, le Finlandais. Thomas, et pareil pour Cornelius Björk. Cornelius Björk, qui est juste derrière, ouais. Cornelius, lui, par contre, au moment, il est décroché de quelques mètres.
Allez, c'est le finish là. On va être sur le poste 13. Non, il y a encore. Il y a encore un peu de temps. Effectivement, il y a ce poste là qui est au bord de la rivière. Allez, le 13, essaye de revenir. Ah, pour le moment, ils sont encore groupés, mais là, faut les quelques mètres vont être de plus en plus durs à gagner. Donc c'est là, il faut vraiment pas se laisser décrocher. Là, par exemple, pour Daniel, là, on sait que c'est là, ça va être très compliqué. Ouais. Et c'est là, il y a un dernier. Il y a beaucoup de courses hein, maintenant. Il reste la 14. Mais là, c'est qui qui prend la tête. Il n'y a plus de choix à faire. Et là, ça va être très très dur pour les Hicks. Ouais. Parce que là, il y a plus de. Ah, ça paraît compliqué, effectivement. Et donc ça paraît compliqué pour notre Français. Par contre, Thomas Sekile qui a pris la tête du groupe. Et Rankan, hein, ça a l'air dur pour Rankan également. Gustafsson en deuxième position. Et ouais, ça va se jouer. Voilà, c'est fait. Hein. C'est fait, effectivement. Et Kile Gustafsson. Le Finlandais, le Suédois. Et ça sera trop loin pour Rankan. Pour cette demi-finale, en fait, il termine avec 200 mètres de pure course. Hein. Il n'y a plus de choix à faire. Et parce qu'à ce jeu-là, ouais, il vaut mieux avoir gardé un peu du gaz. Thomas Ekile donc qui remporte cette première demi-finale. Jonathan Gustafsson, le Suédois, deuxième position, vous le voyez. Ricardo Rankan et donc Loïc, notre Français, quatrième, Loïc Capberne. Qui s'est fait légèrement décrocher hein, sur ses deux derniers postes. Et donc ça a été compliqué de revenir derrière. Hein, ça accélère tout au fur et à mesure. Thomas Ekile, tu l'as dit Mathieu, hein, qui a l'air en très grande forme. En tout cas, il nous a montré qu'il a su maîtriser, il a su revenir. Et il remporte cette demi-finale. Et il montre beaucoup de maîtrise hein, sur un format qu'il ne maîtrisait pas très bien jusque-là. Là, il nous a impressionné. Hein, son coach nous a dit qu'il avait bien travaillé. Il est très en forme. Il a survolé sa qualification hier. Il a été très costaud ce matin aussi en gagnant à nouveau son quart de finale avec un chrono costaud. Donc, ouais, attention à lui. Et on voit... On rappelle, hein, Mathieu, tous ces athlètes hein, avec un seul objectif. Enfin, il y a deux week-ends, hein, ce week-end, le week-end prochain en Italie. Il n'y aura pas de chaos sprint le week-end prochain. Mais par contre, l'objectif, évidemment, hein, c'est le mois de juillet et ces championnats du monde de sprint qui auront lieu en Écosse. Et donc, pour tous ces athlètes, hein, on est sur la dernière répétition générale, finalement, hein, sur cette manche de Coupe du Monde. Ouais, c'est une le résultat donc les championnats du monde donc on ne va avoir que du sprint jusqu'au championnat du monde en juillet et donc souvent ces manches de coupe du monde servent aussi de qualification pour les championnats Mathieu, du monde et les, Mathieu et je te coupe hein, parce que la grosse surprise Jonathan Gustafsson qui est mauvais poinçon et donc Ricardo Rankan qui serait deuxième. Ah, il était complètement en contrôle dans son sprint d'arrivée et c'était étonnant parce que on va essayer de voir au GPS. Ça s'est passé pendant le Runner Choice. Là, on voit ils sont dans la partie Runner Choice. Et... Je vois pas compliqué de voir à quel moment ça s'est joué. Il aurait quitté un poste. Ils sont toujours très 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 très, très proches les uns des autres. Hein. Donc, c'est bizarre. Compliqué de savoir, en tout cas on aura le résultat définitif qui nous sera donné, mais pour l'instant Gustafsson disqualifié. Ah ouais là c'est allez, cette deuxième demi-finale, ouais. En tout cas sacrée surprise, effectivement, si c'est le cas Mathieu. Raison for Gustafsson, on va attendre d'avoir hein, les infos. En tout cas, on va suivre donc la deuxième demi-finale avec notre deuxième Français du jour. Vous le voyez là-bas, Mathias Barros-Vallée. À gauche. Alors lui s'était qualifié tout juste hein, hier. 12e, dernier qualifié, et puis là il a été costaud ce matin, il nous a fait un super final, il s'est qualifié 2e de sa série, c'est la série qui a été le moins rapide, donc il s'en est bien sorti sur l'emballage. Alors Martin Rickborn, attention le Suédois, il vient de claquer un super chrono sur 5000, il est très en forme, Rav Street, un spécialiste des KO, il n'est pas à sa meilleure forme, mais il est là toujours, un ancien, Joey Adorn, attention à lui, même si il s'est pas très très concentré sur le sprint, il fait beaucoup de trail, et ben il est toujours là aussi, il est costaud. Ensuite on a Elias Jonsson, un Norvégien qui fait partie de cette nouvelle vague de Norvégiens qui est costaud avec Tobias Alstad. Voilà, ils sont deux Norvégiens dans cette demi-finale. Une demi qui est du coup relativement ouverte. On peut mettre Martin Rickborn et Joey Adorn en favori avec peut-être Rav Street en habitué.
qui est là, et puis on va voir ce qu'un petit Mathias Garros-Vallée peut faire au milieu de tout ça. C'est déjà une super surprise. Et le runner choice. Allez, runner choice, voilà, vous voyez, les possibilités à le choix. Pour se décider. On l'a vu tout avec à l'heure. Avec Joey Adorn, hein, sous vos yeux, le Suisse. Les trois variations qui sont assez proches et qui ne font pas vraiment de différence. Allez. J'ai l'impression qu'on va avoir un C pour une fois. On va nous indiquer le tour non choisi. Et voilà, on a du C. On avait vu Elias Johansson et Tobias Pastor, les deux Norvégiens vont partir sur la C. Mathias Barros-Vallée qui a pris la A, hein. comme Loïc Capberne. Voilà, qui est un peu plus longue, mais qui est assez roulante. Et on l'a vu, qui faisait pas perdre de temps, c'est en tout cas, pour la première demi. Allez, Joey Adorn. Il adore ce format-là aussi, le Suisse. Ce format-là, évidemment. Parce que Jansson, on a pas mal de Norvégiens. Hein, une surprise, on a plus de Norvégiens que de Suédois dans cette demi-finale. Marc-Henri Gorn, il a claqué un chrono sous le 14 pour 5000. Vous voyez, maîtrise en forme. Ralf Strik, le Britannique. Allez, qui lui, pour le coup, est en pleine préparation pour ce championnat du monde chez lui à la maison, hein, ça c'est sûr. Ouais. Et notre Français, Mathias Barros-Vallée. Ouais, britannique pas très en forme sur cette manche de Coupe du Monde. Et les Français qui sont mieux classés que les Britanniques. Les Britanniques ont un seul représentant dans ces demi, alors qu'on en a trois. Allez Mathias, c'est le moment de claquer. Ouais. En tout cas, il n'y a rien à perdre sur cette demi-finale. C'est parti. Ouais. Il est là déjà. Il est là pour voir, pour apprendre. Jeune senior. Avec son Provence, on retrouve avec grand plaisir dans ces demi-finales gratin mondial, hein, 18 meilleurs, on rappelle, 18 meilleurs mondiaux sur ce format, même s'il manque quelques-uns des meilleurs. Alors, Mathieu, juste avant que la course s'emballe, on a eu le retour des arbitres, donc Gustafsson reclassé, hein, donc finalement Gustafsson sera bien en demi-finale, pas de mauvais points pour lui. Pour avoir suivi la course, on les voit tous passer ensemble à tous les postes, donc c'est quasiment. Donc les deux premiers qualifiés sont bien Thomas Ekilé et Jonathan Gustafsson, le Suédois, pour la finale. Allez, cette deuxième demi-finale qui s'est donc lancée. Poste 1-2. Il est parti à droite. Alors que les autres ont choisi une option un peu plus directe, sous le trait. Oblige à zigzaguer à peine un peu plus là dans les, comme on le voit, dans cette partie du bâtiment, et hop, et voilà Ralf Strik qui en a profité avec un choix légèrement plus long et plus roulant, passer devant en mettant un coup de gaz. Et c'est un petit peu aussi une option de temps en temps quand on est seul à faire un choix, alors que les autres sont un peu en train de se regarder en début de course. Si on met un coup de gaz, on peut récupérer des secondes assez facilement alors que les autres s'observent. Et là, on le voit, c'est ce qui a été le cas, mais c'est très très tôt dans la course, donc c'est évidemment pas une option décisive pour Ralf Strik. Mais bon, ça montre qu'il est offensif, qu'il est dans sa course. Du coup, il a pris les devants, comme on le voit là. Passage. De ce poste 3, alors qu'on va approcher le runner's choice. Joey Adorn qui est derrière. Ah, Joey Adorn derrière en contrôle. En contrôle ou décroché. Non, plutôt en contrôle, on va voir. On va surveiller. Lui, il a du gaz hein, aussi. Hein. Pour le moment, il peut se permettre de se laisser glisser de quelques mètres. Quand il va falloir accélérer, il sera en capacité de recoller. Gros début de saison pour Joey Adorn, notamment en trail, hein, qu'on a pu suivre. Et oh là là, tension, la petite collision. Ça, on voit, c'est un classique aussi du chaos. Alors,
Là, ils font le gauche-droite là, pour aller chercher le début du chaos. Donc, ils font juste en fait le tour de, à gauche ou à droite de la maison. Et voilà. Et là, on a le début du runner choice, pardon. Et on va les voir donc logiquement partir chacun sur une variation différente. Donc, là, tout est en contrôle. Alors, vous voyez, hein, il y a le public qui est au milieu, il y a les voitures. Ça, c'est vraiment le danger quasiment principal du chaos choice. C'est faire être capable d'être en contrôle. Au milieu de allez, vous l'avez vu, hein, Mathias Barros-Vallée qui avait la balise là en contrebas, hein, sur la gauche. Et là, on est avec Ralph Street, le Britannique. Bien parti. Sur sa variation, un petit peu de GPS. Et là, il faut zoomer un peu, sinon on va avoir du mal à lire. Voilà, Mathias, c'est le seul qui avait la poste 7 rose, hein, du bas. C'est la variation A. Donc là, il faut qu'il mette du gaz si... S'il veut recoller, c'est une option qui est à peine plus longue, mais qui est plus roulante. Et on l'a vu tout à l'heure qu'il ne faisait pas de différence pour qu'elle soit bien réalisée. Donc on espère voir Mathias recoller. Allez, on va voir hein, les écarts. Il a l'air un peu loin, Mathias Barros-Vallée, malheureusement. Oula, ah, il a oublié le Eric Borne, le Pédois, ouais. Qui avait oublié le poste du pur spectacle. C'était une des manières pour lesquelles on peut être disponible. Donc vous voyez, hein, Mathias Barros-Vallée décroché hein, qui passe avec une dizaine de secondes de retard sur Martin Regborn. Il va devoir faire l'effort là dans ce pouvoir spectacle. Mais il va déjà griller une cartouche, hein, comme on dit. Il va se fatiguer là, il se fait revenir. Et on voit déjà là, ça a déjà bien accéléré. Ah, effectivement, ça accélère hein, à la pédale. Hein, il va falloir épurer tout ça. Et Ralph Street décroché maintenant aussi pour lui. Attention Ralph Street. Pour l'instant, c'est bien Elias Jonsson, hein, le Norvégien en tête. Et devant Joey Adorn qui s'est replacé. Martin Greenborn qui avait un peu cafouillé son passage spectacle. Il est autour là. Bon, on va le voir. Regardez Mathias. Elias Jonsson en tête. Ouais, non, on l'a pas vu, c'était tout à l'heure, mais là, qui fait l'effort pour se replacer. Allez, le groupe qui se scinde en deux, hein, pour l'instant, vous le voyez. Ouais. 12-13, c'est le long choix. On l'a pas vu tout à l'heure sur le GPS, mais c'est là où les coureurs peuvent se séparer. Hein, parce qu'après, une fois qu'on est à la 13, c'est fini. Hein, et il n'y a plus que de la course quasiment. Et là, on voit, c'est dur hein, pour Mathias là. C'est à ce moment-là où il faut avoir la capacité de se replacer. Mais les autres, ils ne vous attendent pas, donc c'est compliqué. Et là, si on subit comme ça. Voilà, ce dernier poste, voilà, 12-13. Donc, vous voyez le choix. Là, il y a l'option gauche-droite. Assez équivalente. Et on voit Ralph Street et Mathias. Barros-Vallée qui ont fait le choix de partir à gauche avec Joey Adorn aussi visiblement devant qu'on n'avait pas sur le GPS. Mais eux vont repartir à gauche voilà, pour enrouler ce bâtiment là et le poste est à droite alors que les autres vont arriver de l'autre côté. Allez, Joey Adorn hein, qui a repris la tête, ouais. Joey Adorn qui est revenu. Et Mathias du coup aussi en a profité pour recoller aux autres coureurs. Donc, rien n'est pas perdu. Mal, effectivement, Joey Adorn, Martin Regborn pour l'instant, hein, Suisse et le Suédois en tête. Ouais, alors là, Joey Adorn qui accélère là. Hein. Ça rigole plus parce que ouais, là, on l'a dit à ce moment-là, il n'y a plus que de la course. Et regardez, ça serre les dents. Et là, ça bombarde. Ah, il reste 200 mètres. Mathias Barros-Vallée qui est pas si loin que ça. En tout cas, c'était une belle demi-finale pour lui. Joey Adorn qui va donc s'imposer sur cette demi-finale. Martin Regborn avec. Sa foulée légendaire que l'on reconnaît bien. Ouais, Robocop, on a pas une particulière mais très efficace. Hein. Regardez là. Ah, Joey Adorn, donc il remporte cette demi-finale effectivement, qui va terminer presque tranquillement. Et donc Martin Regborn, deuxième position, alors que ça sera la quatrième place pour Mathias Barros-Vallée. Ah, c'est bien, il a fait l'effort jusqu'au bout. Il y a quand même des points du monde à aller gagner. Hein, donc, pas anodin, ça permet aussi d'améliorer son classement en sprint, hein, qui permet aussi d'avoir une meilleure position de départ pour la Coupe du Monde. Donc, ouais, il faut. Ben, le voilà, bravo Mathias,
Ah, il a tout donné, c'est bien. C'est bien, effectivement, Mathias, dans la cour des grands, hein, dans la cour des très grands, là, dans les 18 meilleurs mondiaux, on le rappelle. Quatrième de sa demi-finale, c'est vraiment pas mal, effectivement, pour Mathias Barros-Vallée. Et puis, il nous reste une carte. Non, mais la carte de la jeunesse. Effectivement, ça sera donc Guillaume Vérov, hein, dans quelques instants, dans cette troisième demi-finale, que l'on va suivre. Joey Adorn donc et Martin Rekborn, les deux premiers de cette deuxième demi-finale qui vont donc retrouver le Finlandais et un autre Suédois. Ah, Joey Adorn, on l'a dit, hein, qui était en contrôle au début, hein, vraiment en queue de ce peloton, et puis qui a accéléré tout au long de la course pour donc s'imposer dans cette demi-finale. Ouais, c'est un effort qui est particulier, hein, normalement, il faut arriver à tenir 15 minutes au tempo sur du sprint, et ben là, sur du chaos, et ben c'est la moitié de ça, il court en là, 7.30, et 7.30 avec la capacité en fait d'accélérer sur la fin de ces 7 minutes, quand on est complètement lactique, là, c'est vraiment c'est difficile, c'est un effort particulier. Tous ne sont pas capables d'avoir cette capacité d'accélération, alors que déjà, le corps entier brûle. Allez, ça enchaîne avec la troisième demi-finale, Mathieu, hein, déjà. Ouais. Et alors, la petite surprise, c'est la liste de départ. Le Norvégien qui a claqué un 6-31 là sur son quart de finale alors qu'il s'était qualifié tout juste. Donc, attention à lui, Timo Sutter, c'est le meilleur Suisse du moment. Alors qu'on voit maintenant la Guillaume Vérov qui vient de faire son choix. Tommy Oksanen, le Finlandais, Fabien Abersol, un autre Suisse qui aime bien aussi ces formats-là. Guillaume Vérov, on en a parlé. Le jeune nordiste. Et puis, allez, effectivement, notre jeune français, Guillaume Vérov, hein, sur cette Coupe du Monde. Ouais. En demi-finale, ça aussi fait plaisir à voir. Et donc, il a pris la B, hein, l'option B. Ouais, là, ça s'est bien réparti. ABC, on ne sait pas ce que Auguste Mollens et Teemu Oksanen ont fait. Alors, pour Mollens, c'est la B. Par contre, pour Oksanen, effectivement, ça ne s'est pas mis à jour encore. Allez, on va voir donc voilà, la C pour Teemu Oksanen, le Finlandais. Et donc, sur cette première ligne, Timo Sutter, le Suisse. Timo Sutter, attention, c'est le meilleur Suisse actuellement. C'est lui qui a fait les meilleures courses sur les qualifications pour cette dans l'équipe suisse, pour cette Coupe du Monde. Et il a été costaud aussi jusque-là, sur les qualifs. Il a été costaud sur le quart de finale, donc attention à lui. Teemu Oksanen. C'est un peu plus une surprise, mais c'est un spécialiste sprint, il est costaud. Allez, Guillaume Vérov, notre Français, effectivement, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire dans cette demi-finale? Il y a tout à faire. Et Fabien Abersol qui fait le show, le Suisse. Ouais. Et donc, tu le disais, Mathieu, Jürgen Backlid, le dernier présenté de cette demi-finale, le Norvégien. C'est parti pour cette dernière demi-finale. Homme sur ce chaos sprint en ouverture de la Coupe du Monde à Olten, donc on le rappelle, en Suisse. Et on va avoir un leader de Coupe du Monde inédit, hein, parce que généralement ça joue entre Kasper Fossard le Norvégien et Mathias Kybuurs le Suisse, et ben aucun des deux n'est là sur cette demi-finale pour des raisons variées. J'espère qu'il n'est pas au top de sa forme. Hein. Il n'a pas réussi à se qualifier dans son quart de finale. Quatrième, hein. Quatrième de son quart de finale, effectivement. Et il n'est pas là. Et du coup, on a plein de jeunes qui sont là pour marquer des gros points à sa place. On va voir s'il est capable de se refaire la cerise dès demain. Demain donc hein, sur un sprint individuel hein, avec une prise d'antenne à 12h10, hein, on vous retrouvera en direct comme aujourd'hui sur la plateforme IOF avec Mathieu pour commenter ce sprint individuel demain. Et là, on est donc sur cette dernière demi-finale, un groupe peloton. Est-ce que c'est pas finalement celle qui est la plus ouverte cette demi-finale, Mathieu? On dirait qu'il n'y a pas de
Il y a des noms importants, hein. Bien sûr, Timo Sutter, tu en as parlé, mais... Auguste Mollens, il a le meilleur temps des quarts de finale, il est médaillé sur ce format-là, hein, en 2022 au Danemark. Donc c'est quand même un client. Et après, effectivement, on a des noms. Alors Timo Sutter, on l'a dit, c'est pas encore un gros nom, il n'a pas encore palmarès international, mais c'est quand même le meilleur Suisse actuellement sur les formats urbains. Donc ça, sur le papier, ouais, on mettrait quand même une petite pièce sur ces deux-là. Mais effectivement, c'est probablement la demi-finale, tu as raison, la plus ouverte. Alors que Teemu Häkkinen, le grand Finlandais, a pris les devants, devant Auguste Mollens, le Suédois. Allez, Gemberov en queue de peloton. Qui observe peut-être. Auguste Mollens, on dit, en deuxième position là. Le favori de cette demi-finale. Ah, du runner choice, effectivement. Runner choice, pour le moment. On est encore dans ces grandes allées où les coureurs restent ensemble. Et pour le runner choice, ils vont devoir se séparer. Et on l'a vu, hein, ça fait vraiment aucune différence. Les chevaux qui sont très très proches. On en a le choix qui est un peu plus long en distance, mais un peu plus roulant. Donc au final, on analysera ça plus tard avec les chronos. Hein, mais j'ai quand même l'impression que runner choice, c'est pas du tout décisif. Allez, c'est parti. Attention, là, il faut être attentif. Début du runner choice. Là où, ouais, c'est le moment où ils vont tout un peu plus en difficulté parce qu'il faut un peu plus se contenter de suivre en contrôlant vaguement. Non, là, il faut être vraiment très très actif. Faire comme si on était le seul à avoir le prochain poste. Finalement, hein, en réfléchissant sur ces dernières années, hein, toutes ces chaos sprints que l'on a suivis, c'est assez rare que le runner choice, j'ai l'impression, fasse vraiment la différence. Hein. J'ai pas de souvenir dans les dernières Coupes du Monde qu'on a commentées où vraiment le runner choice fait une différence incroyable. Les premières éditions, il y avait des runner choice qui étaient parfois sur des portions beaucoup plus longues. Et c'était très compliqué en fait d'arriver pour les coureurs à déterminer laquelle était plus courte ou pas. Évidemment, on a que 20 secondes. Il faut, si le runner choice est sur une portion très très longue avec beaucoup de postes, on n'a pas le temps de comparer les trois variantes. Et du coup, il y avait plus de différence qui se posait là. Et en fait, maintenant, l'idée c'est plus que de les forcer à faire leur choix et de punir seulement celui qui doit faire une faute en fait, mais d'avoir au final si chacun réalise bien sa variation et transporte le cheval sur les trois. Et là on voit la faute. En tout cas, Timo Sutter qui passe en tête, hein, vous le voyez sur ce passage spectacle. Et puis Teemu Häkkinen, le Finlandais, en deuxième position. Là, c'est Auguste Mollens qui est le Finlandais, Timo Sutter. Obligé de maintenant, alors que là on voit devant ça contrôle encore relativement, mais regardez derrière, il faut raccrocher les wagons. Ça revient fort pour Jürgen Backlid, effectivement, alors que Auguste Mollens, Fabien Aversold et Guillaume Vérov semblent légèrement décrocher. Avec Guillaume. Guillaume est là, Guillaume est juste derrière, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal pour Guillaume, ça revient, c'est plus ça pour revenir. Dernier long choix. Le long choix 12-13, et on sait qu'après il n'y a plus que de la course. Alors, si il faut tenter un petit quelque chose, ça va être là-dessus, hein, sur ce choix 12-13. On voit pour le moment, ça se sépare. Sa première année en senior, en tout cas, Mathieu, hein, il est là, hein, sur déjà une première demi-finale. Ouais, on approche de ce poste 12. C'est là où on va voir si. Il y a moyen de tenter un peu quelque chose. Allez, Guillaume Vérov avec Fabien Aberson, là vous le voyez, le Suisse, le Français en queue de peloton. 1, 2, 3, 4, 5, est-ce qu'il nous en manque pas un là? C'est possible, effectivement. Ouais, il n'y a pas un coureur pour la gauche, alors que là ils sont tous partis à droite. Et ça va être compliqué, hein, pour Guillaume, là c'est le moment qu'il faut faire l'effort, hein, si on fait l'effort maintenant, derrière, il y a encore un bon bout de course. Il faut encore avoir la capacité, hein, de raccrocher.
faut que ça joue des coudes pour se replacer. Là, ils vont attaquer le poste par la droite, alors que sur les autres demi-finales, on les avait vus arriver par la gauche. Regardez, là, ils vont du coup repartir sur la gauche pour aller. C'est Jürgen Backlid, je pense, qui est passé par la gauche. Mathieu, Jürgen Backlid, le Norvégien, alors que là, c'est Timo Sutter avec Timo Oksanen, le Finlandais. Voilà, ils étaient deux à être partis à gauche. Ouais. Oksanen et Backlid, effectivement, Backlid en dernière position. Ça va se jouer avec Auguste Molen. Hein. Ils sont 3 pour 2 places. Donc on voit bien Bersol là qui met du gaz, qui essaye de raccrocher. Mais devant, ça a pris quelques longueurs d'avance. Ça va être très, très compliqué. Avec Timo Sutter en contrôle. Oksanen, attention. Oksanen et Auguste Molen, effectivement. Oh, Auguste Molen qui fait un choix par la droite. Ouais. Il tente, effectivement. Ouais. Alors là, c'est du souci. Effectivement, ça n'aura pas payé pour Auguste Molen. Avec donc Timo Sutter qui va s'imposer avec Teemu Oksanen, le Suisse, le Finlandais ensemble. Oh, Auguste Molen s'est tiré une balle dans le pied, complètement. Ah ouais, complètement, alors que d'habitude, il a un sacré finish. Et là, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il est parti sur une option qui n'était pas la bonne. Hein. Donc, sur le papier, clairement pas la bonne. Sutter, Oksanen donc 1 et 2 dans cette troisième demi-finale. Vous le voyez, Guillaume Vérov 5e et alors Auguste Molen qui a complètement craqué sur cette fin de course. Ouais, il doit s'en vouloir. Il y avait sûrement mieux à faire en restant dans le groupe et puis essayer de finir au sprint, au finish. Ouais, c'est fou là, ce qu'il nous a fait alors que il était clairement parmi les favoris avec notamment sa capacité d'accélération sur l'emballage. Et là, il a tenté un truc, mais s'ils nous mettent du GPS, vous allez vite comprendre que c'était pas très malin. Alors qu'il s'était replacé, hein, il était bien, il avait encore la possibilité de se placer dans les deux, je dirais presque facilement. Ils étaient au coude à coude, hein. Ouais, tout à fait, ils étaient au coude à coude, ça aurait pu se finir au sprint cette histoire. Eh bien, donc ça fait le bonheur du Suisse Timo Sutter et donc de Teemu Oksanen, le Finlandais. Il était quand même en troisième position, mais il était complètement en contact. Et on n'aura pas le droit au GPS, mais je peux vous assurer, pour ceux qui ont le GPS sous les yeux, vous pouvez voir par vous-même que ce n'était pas du tout une bonne idée. Et Timo Sutter, on l'a dit, alors sur le papier, c'est pas encore le plus connu des Suisses, mais depuis ce printemps, il est super costaud. C'est quand même, les Suisses, on les sait costauds sur ces formats urbains. Alors, être le meilleur des Suisses du moment, ça veut quand même dire quelque chose. Ouais, Timo Sutter qui a adopté une stratégie qui était assez loin au départ de ce groupe et puis qui est revenu tout doucement pour prendre la tête de cette demi-finale. Alors, ouais, on va voir la différence. Non, mais on a que Oksanen, on a que le GPS d'Oksanen qui nous est proposé à la fin. C'est compliqué en ville, malheureusement. Mais tu dis qu'il était loin, mais c'est aussi le GPS qui était décalé. Hein. Ils étaient quand même pas de gros écarts qui se fait sur le début. C'était vraiment dans l'emballage que on a la capacité d'accélérer progressivement. Grosse différence, Mathieu. Grosse différence entre la, enfin grosse différence, une dizaine de secondes, si c'est pas mal, hein, de temps entre la première et la dernière demi-finale. Vous le voyez. Ouais, ça joue surtout sur en fait si le début de course est plus ou moins lent, plus ou moins tactique. Hein, et bien sûr. Ensuite, ils ont tous la capacité de finir un peu à peu près dans les mêmes chronos. Mais je pense que le chrono là, d'une demi à l'autre, n'est pas forcément significatif. Allez, on bascule sur les demi-finales dames avec la présentation qui va nous être faite dans quelques instants. Mais vous le voyez déjà pour ceux qui nous suivent et qui connaissent bien sûr tous ces athlètes. Vous l'avez vu juste avant, on a du gros, du beau monde, du lourd, du très lourd dans cette demi-finale. Et donc le runner choice qui va avoir lieu maintenant. Et on va profiter des 20 secondes pour dire quand même qu'on a Sarah Ekström qui est blessée, qui n'est pas là, très très costaud. Eve Van Dongen qui a été médaillée sur le... qui n'a pas passé les qualifs. Ensuite Teresa Yanishikova qui n'est pas super en forme non plus. Elle a pas passé... le cut, Megan Carter-Davis, elle est malade, elle est au fond du lit, elle espère pouvoir revenir demain. Caro Olson, pas passé non plus, voilà. Mais sinon, toutes les filles sont là, notamment celle qu'on a à l'image, Tove Alexanderson, l'épouvantail du circuit. Mais attention, elle a été malade ces derniers temps, elle n'est pas complètement sûre de sa forme, mais a priori, quand elle s'aligne sur une ligne de départ, c'est qu'elle est capable de gagner.
l'a montré. Elle est, même si elle a moins, elle sent un petit peu moins de marque que d'habitude, elle a quand même gagné les qualifs. Elle a gagné le quart. Donc attention à elle. Et donc vous le voyez, Anna Lundberg, hein, qui va être évidemment à surveiller également. Et puis Andrin Banjanisen, la Norvégienne bien sûr. Grosse demi-finale chez les dames. Cette première demi-finale, il n'y a que deux places. Et donc Tove Alexandersson qui a fait le choix C. Donc c'est exactement le même parcours bien sûr que les hommes. Et donc présentation avec Anna Lundberg, la grande Suédoise. Ouais, Anna Lundberg. Elle aussi, attention. Bien ses formats, elle aime bien partir vite. Tove, elle, c'est. Elle prend un petit peu de marche sur les deux, trois premiers postes, et puis d'un coup elle enclenche, et là elle fait du dégât, elle part sur un tempo que les autres n'arrivent pas à suivre. Généralement, c'est sa tactique, elle vise tout pas un sprint groupé, parce que là elle sait qu'elle va être battue. Et par contre, généralement, et ça se passe toujours plus ou moins comme ça, elle arrive à se détacher des autres en cours de route, et parfois même à suivre. Hein. À suivre avec la qualité de cette demi-finale. Andrin Banjanisen, vous l'avez vu. D'habitude, peut-être qu'elle va pas être capable de mettre en place sa tactique habituelle. On va voir. Marion Eby, une petite surprise, elle a été costaud là sur les quarts de finale. Alva Simonsson, la jeune suédoise. Et la finlandaise qu'on a vu, c'est Inka Nurminen en milieu de votre écran, au milieu de votre écran. Andrin Banjanisen qui a été perturbé par les structures ces derniers temps. C'est parti pour cette première demi-finale chez les dames. Allez, rien que sur cette première demi-finale, il y a un nom qui partira. Ouais, alors Inka Nurminen décide de partir. Elle part très fort. Elle part très fort, effectivement. Anna Lundberg qui aime bien prendre les devants, et ben là, elle n'a pas pu le faire. Et regardez, du coup, peut-être ça va mettre Tove Alexandersson aussi en difficulté. Ouais, tout de suite, ça va être dans le goût. C'est sûrement la stratégie à adopter sur ce groupe si Inka Nurminen veut essayer de passer, parce que il va falloir contrer l'armada suédoise, contrer Andrin Banjanisen. Ouais, et donc, alors, ça veut dire que cette demi-finale part très très fort. Sur le papier, c'est bien joli, mais il faut être encore capable de tenir un tempo comme ça pendant 8-9 minutes. Ouais, c'est pas gagné. On voit Mathieu Anna Lundberg, comme tu dis. Anna Lundberg qui prend la tête de cette demi-finale, qui part fort, tu le disais. Ah, il aime bien prendre les devants et ne pas se trop se soucier de ce qui se passe derrière. Mais ça, c'est sa tactique habituelle. Mais on sait aussi la tactique de Tove. C'est de prendre un peu la température sur les 2-3 premiers postes. Et puis après, elle met un coup de gaz. Et puis très rapidement, elle arrive à faire l'écart. Et pour Inka Nurminen, ça avait l'air déjà difficile. C'est ce qu'elle s'est pas fait sauter la caisse d'entrée. On va suivre. Allez, un petit coup d'œil. Anna Lundberg, Tove Alexandersson en tête. Andrin Banjanisen, vous le voyez en troisième position. Marion Eiby, Alva Sonesson là, la Suédoise en cinquième position. Et donc Inka Nurminen en sixième position. Inka Nurminen qui est. Une jeune senior, elle a fait un bon championnat du monde universitaire en sprint. De mémoire, elle était médaillée. Mais là, c'est le niveau au-dessus. Mais regardez, on a les deux favorites suédoises. Il n'y a pas de surprise pour l'instant, effectivement. Les trois premières, c'est les trois favorites de cette demi-finale, mais il n'y aura que deux places. Et Marion Eiby, la Suisse qui essaie de s'accrocher là en quatrième position. Et on va arriver, Mathieu, dans la zone du Runner Choice. On va aller voir se séparer. D'abord un petit poste 4-5, voilà, où il faut qu'elle fasse le tour de cette maison. Et regardez Marion Eiby qui essayait de s'accrocher, mais elle n'était pas complètement en contrôle. Et allez, c'est parti pour le Runner Choice. Tove Alexandersson prend la tête de cette demi-finale.
Hallenberg. Son tête par la gauche. Voilà, Marion Hébi, compliqué là. Elle était en retard là, dans sa planif. Mais regardez, ça va être compliqué pour elle. Ouais, compliqué pour Marion Hébi, effectivement. Ah, c'est la difficulté de ce format. On essaye à la fois de suivre, mais à la fois il faut rester en contrôle. Et là, visiblement, pour la Suissesse, c'était plus trop le cas. Allez, trouver. Attention, Andrine Benjaminson, petite hésitation. Ouais. Alexanderson, Andrine Benjaminson, ensemble là. J'ai l'impression qu'elle est un petit peu à la bourre, Tové. Et Anna Lundberg qui a l'air d'avoir repris la tête. Ah non, qui est juste derrière. Elle est juste derrière. Ouais, mais juste derrière Andrine Benjaminson. Devant. Voilà, elle avait. Tové avait encore un poste à aller chercher, oui. Le poste 4 de Savaria. Donc elle est repassée en tête. Allez, on a déjà les trois qui se détachent. Ça c'est pas une surprise effectivement. Anna Lundberg qui prend la tête de cette demi-finale, il y a déjà des écarts. Benjaminson. Pour les trois qui se trouvent, ça va déjà être compliqué. Hein. Il y a plus d'heures devant avec une dizaine de secondes d'avance. Regardez, hein, l'air de rien. On les voit plus à l'écran. Et voilà. Il faut récupérer ça à la course. Bon, il reste. 3 minutes de course, c'est compliqué. On a dit, on a tout ce qu'on dit, hein, c'est pour derrière. Allez, Tové qui raccroche. Est-ce qu'Andrine Benjaminson va avoir la capacité d'accrocher ces deux-là? Au tempo, à la course, on va voir. Elle est là, elle est encore là, mais. Ouais. Ça va pas être confortable pour elle, là. Ça se corse là pour Andrine Benjaminson, effectivement, à la poursuite des deux Suédoises, Anna Lundberg, Tove Alexandersson. Allez, on est à quelques minutes de la fin de cette première demi-finale. Elles sont costaudes, hein. Elles sont vraiment costaudes, les deux Suédoises. Il n'y a pas de surprise, mais elles nous confirment leur gros début de saison. Bah, Tove, ouais, elle était pas sûre de sa forme et on la sent un petit peu en dedans par rapport à d'habitude, ce qui n'est pas complètement pour nous déplaire parce que du coup. Ben ça, elle écrase pas la course comme elle peut le faire d'habitude. En KO, elle est injouable d'habitude. Regardez, là, elle a pris les devants, mais Anna Lundberg est toujours là. Alors là, c'est pas un problème, hein, c'est qu'une demi, il faut être dans les deux premières seulement. Donc elle peut gérer encore un petit peu. C'est en finale qu'on verra vraiment si elle a retrouvé toutes ses jambes ou pas. Bon, en même temps, ouais, ça a l'air de se compliquer pour. Andrine Benjaminson, ça a l'air de se compliquer. Ouais, per mètre par mètre. Mais on est sur ce long choix 12-13 et si elle fait le même choix, ça veut dire que ça va. C'est à la course que ça se joue et à la course, bah, forcément, ça va être compliqué pour Andrine. Parce que devant, ça galope. Et là, il n'y a pas le choix. Hein. Si elle. Ouais, elle regarde derrière, mais c'est devant qu'il faut regarder parce qu'il n'y en a que deux hein, qui passent. Et les deux, elles sont devant. Ah, elles sont costaudes, hein. Elles sont vraiment costaudes. Tove Alexandersson et Anna Lundberg. Et Tove Alexandersson qui prend le large hein, oui. Maintenant. Ah et là, voilà. Anna Lundberg qui est là. Ouais, on l'avait pas vu. Un choix différent, effectivement. Ouais, et du coup, ça remet Andrine un peu dans le match. Ouais, Andrine qui n'a pas dit son dernier mot, du coup, attention. Et là, on a plus de la course hein, sur cet emballage-là. Elle peut gérer. Et Andrine Benjaminson qui passe devant. Eh ouais, elle est revenue, effectivement. Ou la surprise, ouais, peut-être. Elle a l'air d'avoir plus de gaz. Ça a l'air d'être compliqué. On l'avait enterré trop vite. Ah ouais, effectivement, hein, on l'avait enterré trop vite, tu dis Mathieu, mais ça s'est joué sur ce choix d'itinéraire. Ce choix d'itinéraire qui a l'air de faire la différence hein, sur cette balise 13, puisque Andrine Benjaminson est vraiment revenue. Et où Anna Lundberg explose un petit peu peut-être aussi. En tout cas, la deuxième place pour Andrine Benjaminson. Et
Ouais, c'est étonnant de la part d'Anna Lumière, hein, qui était bien calée avec Tove, d'avoir fait un choix différent. Ouais, c'était une prise de risque qui n'était peut-être pas vraiment pertinente à ce moment-là. Andrineux s'est accroché et ça a suivi le bon lièvre. Oh là là, Anna Lumberg qui file. On la voit même pas à la caméra. Ouais. Là, vraiment pas content du tout. Alors, ça s'est peut-être joué sur le choix, sur le physique, un peu les deux. Oh, et en tout cas, effectivement, retournement de situation dans cette fin de demi-finale. On l'a entendu crier. Ouais. Exactement. Mais ouais, c'est surprenant de sa part. Hein. Et d'ailleurs, je m'attendais tellement pas qu'il me semblait que les deux étaient devant. Mais non, elle a tenté un choix et qui se justifiait pas en demi-finale. Il suffisait d'être dans les deux. Hein. Il n'y avait pas besoin de passer devant Tove avec Sanderson. Il suffisait de rester avec elle. Ouais, là, c'était étonnant. Ouais, ça s'est joué ici. Hein. Ça s'est joué ici. On attendait Anna Lundberg et elle est encore un peu devant, mais légèrement. Et derrière, Andrine Bayamidson qui fait l'effort et qui la dépasse en cette dernière ligne droite. Avec Tove, et puis il lui manquait un peu de gaz sur l'emballage. Et Andrineux, ben ouais, finalement, elle nous rassure sur son état de forme. Et on va essayer de voir un petit peu du GPS. Non. Ah, ils n'ont pas été calés ensemble. Ouais, c'est sûr que si Alva Sonesson part avec de l'avance, ça aurait été plus facile pour elle, mais ce n'était pas le cas. Facile. Alors voyons les écarts justement sur cette Marion Aibi, hein, 1 minute. Bon, après forcément elle a lâché un petit peu. Inka Nurminen 5e, Alva Sonesson donc 4e et Anna Lundberg 3e. Donc Tove Alexandersson, Andrine Bayamidson sont qualifiés pour la finale. On suivra tout à l'heure. C'est une cliente, hein, c'est sûr, hein, mais ça reste quand même une petite surprise de voir Anna Lundberg sortie sur ces demi-finales. On voyait bien quand même les deux Suédoises capables de partir à la pédale. Et Andrineux s'est bien accroché. Alors je ne sais pas trop pourquoi ils nous mettent un replay de la course d'Alva Sonesson. Probablement qu'ils ont... Il doit avoir perdu le pas le GPS d'Anna Lundberg, mais effectivement, ça aurait été intéressant de voir exactement par où elle est passée. En tout cas, c'est bien Andrine Bayamidson et Tove Alexandersson qualifiés pour cette première finale. Enfin, pour cette première demi-finale, qualifiée en finale. Et donc, on va suivre la deuxième demi-finale. Allez, Pia Jongvik, une toute jeune Norvégienne qui a été super costaud sur ce début d'année. Donc ça va être intéressant à suivre pour elle. Et vous le voyez, hein, dans cette deuxième demi-finale, on a une autre Française, hein, Cécile Calandry. Ouais. Cécile Calandry qui a gagné son quart de finale, très très costaud, juste devant Nathalie Gimperlé, la Suissesse, la Russo-Suissesse qui est en forme. Donc voilà, on retrouve Pia Jongvik, la jeune Norvégienne, intéressant à suivre. Nathalie Gimperlé, tu disais, la Suisse. Le format, ouais. De Top Gun, Ida Garvik Christensen, des sœurs Christensen danoises qui sont rapides, Josefine Kjærlund, la suédoise, elle fait un bon quart de finale, alors que Cécile Calandry, et là c'est notre chance française, et Evelika Asikou qui n'est pas vraiment une spécialiste de sprint, mais qui s'en est bien tirée sur ses quarts de finale. On va voir si elle peut rééditer. Ouais, l'Estonienne, hein, qu'on voit de plus en plus, hein, sur les différents formats. En tout cas, elle est toujours un peu là maintenant. Ouais. Top 20 mondial. On la voit régulièrement. Gap, surtout en forêt avec sa médaille, on s'en rappelle, en Estonie à domicile, hein, sur les championnats d'Europe en moyenne distance. Et maintenant, elle a passé un cap physique. Elle est capable de performer sur les formats urbains. C'était très difficile il y a encore quelques années. Tant mieux. Il faut de la diversité. Hein, 8 pays différents sur ces demi-finales. Donc c'est assez intéressant. Hein. Évidemment, on retrouve Suisse, Suède, Norvège, hein, les nations avec le plus de représentantes. Mais voilà, on a quand même 8 pays différents représentés sur ces demi-finales aujourd'hui. Et notamment la France. Et chez les filles, les épaules reposent là sur les épaules solides de Cécile Calandry. On sait, les formats urbains. Elle est costaud, elle fait partie du top mondial. Et c'est plus une toute jeune première. Hein.
Maintenant, ça fait quelques années qu'on la voit sur le circuit. Et il va falloir qu'elle confirme maintenant ce statut de leader du sprint chez les Françaises et de potentiel top 10 mondial. Et pour le moment, ce statut, elle l'assume. En tout cas, jusque-là, elle a fait un parcours sans faute en remportant son quart de finale. Avec un temps intéressant, ça veut dire qu'elle a... Elle a des cannes, mais ça on n'en doute pas, hein. On sait, elle a des capacités physiques qui lui permettent de prétendre à faire partie des meilleures mondiales. Maintenant il faut qu'elle confirme. Et peut-être dès aujourd'hui, on va voir, on va suivre ça. Avec grande intention, évidemment. Ah, et notre Française, ouais, Cécile Calandry, bien sûr, qu'on surveille. On l'a dit, hein, hier, on a eu l'entraîneur hein, Charlie Boischu de l'équipe de France, Mathieu. Cécile, il nous a vraiment dit, hein, texto, Cécile, c'est notre taulière hein, aujourd'hui. Et voilà, il faut qu'elle confirme. On la voit depuis toutes ces années dans cette cour hein, des seniors et des élites. Mais il faut qu'elle confirme, il faut qu'elle nous montre que ce gap est passé et qu'elle fait partie. Hein, elle a une demi-finale à sa portée. Hein. Alors, on a parlé... Jongvik, la Norvégienne, c'est intéressant, mais c'est encore une toute jeune. Voilà, là, la taulière, c'est Natalia Gamperlé, la Suissesse, qu'on voit qui a pris les devants. Mais sur le papier, elle peut passer, hein, Cécile. Hein. Là, elle a une demi qui est assez ouverte. Donc, ouais, là, on croise les doigts, mais c'est tout à fait jouable pour elle. Vaut mieux être dans cette demi-finale que dans la première. Hein. C'est sûr qu'il y avait plus de marge là que si elle avait été dans la première demi-finale. Tout à fait. On espère qu'elle va être. Elle va garder la tête froide et les jambes chaudes. Allez, pour l'instant donc, vous le voyez, Natalia Gamperlé hein, qui a pris la tête hein, de cette demi-finale. La tête de ce peloton. Et donc Cécile Calandry deuxième. Christiansen, la Danoise en troisième position. Casse du coup maintenant. Pour le moment ça reste groupé, c'est en contrôle. Et ça attaque Runner Choice. Allez, c'est bien, hein. On l'a vu, regardez, elle a fait une belle entrée-sortie, c'est-à-dire qu'elle est offensive, elle savait déjà qu'il fallait repartir sur la gauche, et pour le moment, elle a pris la tête. Elle a pris la tête, effectivement, hein. Cécile Calandry, elle a même pris la tête hein, de ce peloton. Elle est très très vite pour la présentation des filles, j'ai pas fait attention à qui avec quelle option. Mais pour le moment, elle a... Eh bien, on l'a pas vu, hein. On les a récupérés sur la ligne de départ, donc c'était effectivement furtif. Pour le moment, de la prise de décision... Donc visiblement, elle avait l'option A. Cécile, on a vu pointer le petit poste dans le renfoncement. L'option A qui est légèrement plus longue, mais plus roulante. Et on l'a vu chez les garçons, ça ne faisait pas de différence. Ah, c'est très bien, le caméraman a choisi de suivre Cécile. Allez, là, elle monte les escaliers. Ah, elle va pousser à gauche, les escaliers pour aller chercher son poste 4. C'était la même variation que Tove. Cécile Calandry, la Messienne, hein, voilà, qui ressort en deuxième position avec Natalia Gamperlé juste devant. Et avec Christiansen, la Danoise. C'est bien pour Cécile. On est bien parti de sa variation, c'est bien. Pas de dégâts, elle est toujours au contact, ou presque. Et elle est là où il faut être, hein, dans les deux pour le moment. Rien n'est fait, les deux sont totalement derrière. Notamment. Cette grande Danoise, Helga Christiansen, en train de se confirmer aussi. Natalia Gamperlé donc. En tête pour le moment. Elle ne présente plus une Suissesse. Il a changé de nationalité, on le rappelle, il y a maintenant 2 ans, pour pouvoir concourir, hein, parce que les Russes ne sont toujours pas autorisés à courir les compétitions internationales. Natalia Gamperlé qui habite en Suisse, qui est mariée à un Suisse, a décidé de changer de nationalité. Allez, Ida Gervik semble avoir pris la deuxième position. Et c'est le caméraman qui est troisième, ça ne nous arrange pas, il faudrait qu'on voit la tenue de Cécile. Voilà. Ah, Cécile qui voilà, avait fait un tour. Ah, attention, on ne va pas se laisser décrocher là en... C'est toujours compliqué ces entrées-sorties de poste quand il y a des choix différents. On peut être amené à rencontrer les filles qui sortent du poste. Des fois, c'est
se rentrer dedans comme c'était le cas ici, perdre un petit peu d'influx, quelques secondes. Et on espère que Cécile a du gaz, hein. Elle a été costaud en quart de finale, hein. Elle a remporté ce quart de finale, c'est quand même bon signe, ça veut dire qu'elle avait du gaz dans l'emballage. Ah, ça se complique pour Cassie, hein, l'estonienne, hein, par contre. Kayoum Witt aussi, c'est compliqué, on voit, c'est devant que ça nous intéresse. Allez Cécile. Allez, Cécile. Allez, le petit choix de Cécile Calandry. Qui est en train de préparer sa fin, mais attention, hein, là il était en 3-4ème position, c'est pas le moment de se laisser décrocher. Pour Evelyne Kassikou, on voit c'est compliqué. Il faudrait que la caméra suive plutôt les filles de devant. Là on est dans la partie décisive, ce long choix vers la 13. Et là il est trop loin le caméraman, on ne sait pas ce qui se passe devant. On espère que Cécile a pu recoller Aïda Christiansson notamment, qui était en deuxième position, alors que Natalia Gamperley avait pris les devants. Il faut basculer là. Allez, on va reprendre effectivement les images là au niveau de cette balise 13. Hein, c'est là où ça s'est joué sur la première demi-finale. Ouais, Cécile qui était au coude à coude avec Joséphine Schierlund, un petit peu derrière Ida Garvik. Alors qu'Ida Garvik, vous voyez, elle a fait un choix différent, elle est passée par la gauche. Et ce choix par la gauche, Mathieu, qui avait l'air plus long tout à l'heure. Hein. Gamperley en tout cas en tête, ça c'est sûr. Allez, où est Cécile Calandry? Cécile qui était. Ah, pour l'instant, c'est la Danoise qui passe en deuxième. Joséphine Schierlund en troisième, Cécile Calandry qui est là en quatrième. Aïe, aïe, aïe. Alors là, il va falloir mettre les watts là pour Cécile, mais là c'est compliqué, regardez, hein, il y a quand même déjà quelques mètres. Le trou est fait. Là, il va falloir tout donner. Allez, pour Natalia Gamperley, c'est une promenade, hein, maintenant qui va se terminer effectivement pour remporter cette deuxième demi-finale. Christiansson qui a l'air d'être bien parti. Joséphine Schierlund troisième et Cécile Calandry en quatrième. Ah, ça va être un peu compliqué. Ça va être compliqué, effectivement. Non, ça va être trop dur. Elle est trop loin, là, Cécile Calandry. Natalia Gamperley qui va remporter cette deuxième demi-finale. Là, on sait, hein, Natalia Gamperley, c'était la fille à suivre, hein, là, sur cette demi. Mais petite déception, hein, parce qu'il y avait de la place. Il y avait de la place pour Cécile, mais elle n'a pas bien géré pas très, très bien géré sa fin de course. L'emballage là, malheureusement. Elle a perdu un peu les cartes après le passage spectacle, effectivement. Hein, et donc, Agarvik Christiansen qui prend la deuxième place. Joséphine Schierlund, la Suédoise, en troisième position. Et donc, Cécile Calandry, quatrième, vous le voyez. Ah, c'est dommage. C'est dommage, j'avais sûrement mieux à faire pour Cécile. Elle a fait un mauvais petit couloir. On l'a vu, c'est la seule, hein, qu'on a vu faire ça, passer par la droite sur le poste 11. Et on l'a vu, ça lui a fait perdre le contact avec Natalia Gamperley, alors qu'elle était bien jusque-là. Et puis derrière, ça s'est pas bien goupillé. Un petit peu frustrant. Dommage, effectivement. Dommage pour Cécile Calandry. En tout cas, voilà, ça confirme encore une fois son top 18 mondial. Mais on en veut un peu plus de Cécile maintenant. On veut qu'elle puisse passer de temps en temps ce gap, comme tu l'as dit. Elle a remporté son quart de finale. Ça, c'est un bon signe. Il y aura un sprint individuel demain où on est seul face à soi-même. Mais c'est dommage. C'est dommage pour cette demi-finale. On la retrouvera, Cécile, bien sûr, au championnat du monde, hein, sur ce format Chaos Sprint. Il y a encore un peu de temps pour. Regardez, là, elle est encore en train de travailler son choix. Et donc, cette deuxième demi-finale qui est remportée par Natalia Gamperley, la Suissesse, et donc Agarvik Christiansen, la Danoise, vous le voyez en deuxième position. Joséphine Schierlund, d'ailleurs, qu'on a suivi il y a quelques semaines sur nos antennes, sur les antennes françaises, sur TV8 Mont-Blanc, puisqu'elle était, dans le relais des championnats de France de sprint, relais. Ouais. Le relais sprint, vous avez pu suivre en direct avec nous sur 8 Mont Blanc. Ouais, pour l'équipe de Guyancourt. Natalia Gamperley, donc Ida Agarvik Christiansen, la Danoise, deuxième position. Voilà donc ce résultat de cette deuxième demi-finale. Elle se court en 8-27, 8-22 pour la première demi-finale. Et donc, la troisième demi-finale maintenant qui va nous être proposée.
Allez, Van der Ryuk, on voit avec là, la finlandaise. Bien sûr, Mathieu. Ouais. On va retrouver hein, la grandissime favorite, peut-être, tout cas de cette demi-finale, c'est sûr. Et puis qui va jouer une place en finale tout à l'heure. Simona Habersold, bien sûr, la Suissesse. Alors que là, à l'écran, vous aviez. Simona Habersold, la Suissesse. On a Ingeborg Ekland, une Norvégienne qui est toute jeune aussi, mais qui est très très costaud sur ce printemps en tout cas. Elle a montré des belles choses. Alors que là, on voit Simona Habersold qui est sans doute quand même la favorite qui a suivi à l'entraînement depuis ce printemps et qui nous montre. Qui montre de sacrées choses. Elle a pour but de tout simplement de venir cultiver Tove Alexandersson cette année, notamment pour le classement Coupe du Monde. Alors c'est important pour elle de marquer des gros points. Ouais, il faut se mettre dans le couloir. Attention, Ingeborg Ekland, Norvégienne, Habersold, Venla Review. Allez, on va nous présenter pour la Finlande. Et Barbara Matejkova, on en a pas parlé. Ouais, voilà, Ekland. Un Norvégienne qu'on connaît pas bien, mais qui est en train de monter sur la scène internationale. Simona Habersold, elle par contre, on la connaît bien. Elle est encore plus jeune, mais superstar. Chez elle, en Suisse. On a vu. Ouais. Venla Ryuk, vétérane finlandaise. Toujours là. Justo, elle a encore du gaz. Elle l'a montré jusque-là. Elle s'est qualifiée un peu dans la difficulté, mais elle est là. Allez, Josefine Lind, la Danoise. C'est parti des jeunes danoises, aussi un groupe danois qui est assez performant sur les formats urbains. Et alors elle, Barbara Matejkova, attention, une toute jeune tchèque qui a un sacré moteur. En tout cas, elle a des sacrées références et chronos. Et Victoria Echta-Biancha, elle a failli pas se qualifier hier sur la qualif du KO. Mais c'est quand même une spécialiste des formats urbains, notamment en KO Sprints, où elle avait... terminé 6e des championnats d'Europe en Italie. C'est parti. Là aussi, Mathieu, une demi-finale peut-être assez ouverte avec Simona Habersold, hein, bien sûr, grandissime favorite. Mais derrière, pour la deuxième place, il y a du monde. Ouais, Simona Habersold, meilleur temps des quarts de finale ce matin. Elle n'était pas très satisfaite de sa qualif, mais elle a mis les points sur les i sur le quart de finale ce matin. On sait qu'elle est très en forme, elle a fait pas mal de camps en altitude, notamment à Font-Romeu cet hiver et ce printemps. Elle est allée à Sestrières, elle est en couple avec Casper Fosser, et donc on peut suivre un peu leur entraînement pour ceux qui regardent ça, notamment sur Strava. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de stages en altitude dans cette préparation pour la Coupe du Monde et puis surtout les championnats du monde. Attention, on ne va pas oublier le poste au passage. Simona qui était devant, les autres qui suivaient sans trop contrôler. Et Simona qui est plutôt en forme. Qui est capable de faire encore des petites erreurs, pas toujours 100% stable. Et puis là, la surprise, c'est Barbara Matejkova, la jeune tchèque, le coup qu'on connaît très peu. Attention à elle a des références, je crois que c'est la tchèque la plus rapide en ce moment sur 3 mm. En parlant des tchèques, j'ai mangé son nom, Teresa Janšíková, pour le coup, qu'on attendait, qui adore ce format KO Sprint, notamment par sa capacité d'accélération dans les derniers mètres. Et là, elle n'a pas passé les qualifs, loin de là, 21e seulement, seules les 12 premières passées. Et du coup, un peu la surprise de ne pas retrouver Teresa. On a cette tchèque Barbara qui est présente sur cette demi-finale mais comme tu dis Mathieu, une jeune tchèque, on va voir dans la cour des grandes aujourd'hui Barbara Matejkova, et ça va être dur pour elle évidemment. Matejkova, effectivement. Ouais, on mettrait ça reste assez ouvert, mais Simona Habersold, la Suissesse, et Victoria Echta-Biancha peut-être, même si Josefine Lind a elle remporté son quart de finale avec un chrono intéressant. Elle a quand même un petit peu moins de références. Bon, c'est un format qui est quand même ouvert. En tout cas, Simona Habersold qui prend la course à son compte pour le moment. Devant Josefine Lind et Victoria Echta-Biancha, la Norvégienne. Donc c'est les trois
trois favorites, hein, je pense, mais il n'y aura que deux places pour passer en finale. Alors que Vanhaerijou ferme la marche. Ça risque d'être un peu plus compliqué pour la vétérane finlandaise, je pense. Allez, on va attaquer le runner choice. Regardez, Simona bien en contrôle. Les supporters suisses, hein, qui sont évidemment présents sur le parcours. Allez, Simona Bersold. Hein, Allez, Simona sur... reconnu. La variante de B. Elle, du coup, elle a de la marge, hein, normalement, sur les autres, sur cette demi-finale. Donc, il a fait un peu une technique à la... une tactique à la Tove Alexandersson. Hein, pour elle, c'est, elle va essayer de lâcher les autres déjà à la pédale pour pas avoir à gérer un emballage. On sait qu'elle a un petit peu plus de mal sur ces formats KO. Elle est un peu moins performante. Alors, elle a fait quand même cinquième, hein, au dernier championnat du monde sur ce format de course-là, du KO Sprint. Mais elle est un petit peu moins à l'aise. Et notamment, peut-être un petit peu moins de capacité d'accélération en fin de course. Elle est en tête, en tout cas, Mathieu. Elle est bien en tête, hein, devant Victoria Anschadenstadt et puis... Joséphine Lind. Ouais, les trois favorites. Pour la Danoise. Vous voyez, Simona qui est... Elle attend pas de savoir ce qui se passe derrière. Elle va essayer de se donner de la marge pour gérer au mieux sa fin de course. Ne pas avoir à gérer un sprint au coude à coude, toujours risqué. Alors qu'elle a de la marche sur les autres, ce serait se mettre en danger inutilement. Donc pour elle, la tactique est simple. Hein. Il faut qu'elle ait un tempo suffisamment élevé pour remettre les autres dans le dur. Pour le moment, elle le fait très très bien. Sous le viva des Suisses. Et sous un beau soleil, donc, ce qui n'était pas du tout le cas hier. On a eu des qualifications dantesques avec de la grêle, de la pluie, le départ des filles qui a dû être reculé d'une demi-heure. Et ben aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre au niveau météo. Regardez, un beau soleil, heureusement. Alors des conditions épiques hier sur les qualifications. Ouais, Simona Bersold en contrôle, qui accélère tout doucement et qui est vraiment, ouais, vraiment largement en tête pour le moment. Victoria Ichtabianchta qui a fait le même choix que Cécile Calandry tout à l'heure. Un choix qui est probablement a pu lui faire perdre quelques secondes. Alors qu'on retrouve d'autres filles, mais ça, c'est les filles qui sont à la récup. Et on suit Simona sur ce long choix 12-13. Non, l'approche du 12. Voilà. Le poste 12. Maintenant, elle va partir sur sa variante 12-13, mais on voit qu'il n'y a personne derrière. Hein. Elle est seule au monde. Hein. Elle est seule au monde, effectivement. Elle a plié la course. Derrière, c'est pas joué. Hein. Mais ouais, Matejkova. Ouais, Matejkova qui revient. Ouais. En tout cas, elle n'a pas dit son dernier mot. Attention, parce qu'on l'a dit, elle a des références sur piste. Et ça, on sait que ça aide sur le format urbain. Regardez, elle a l'air en contrôle, ça a l'air un petit peu plus difficile pour Joséphine Lind. Ouais, elle passe facilement. Est-ce qu'elle va être capable, on la sent capable, hein, la jeune tchèque, d'aller chercher aussi Victoria Ichtenbjörnstad. Et ça risque de jouer dans l'emballage, là, ce petit jeu-là. Attention à la jeune tchèque. Alors que ça se sépare là sur le... On n'avait encore pas vu ce passage dans le petit jardin. Les filles n'avaient pas encore fait, hein, de passer dans le jardin. Alors c'est un peu surprenant. Plutôt que d'enrouler en restant sur la route où la vitesse est plus rapide. Regardez, là, elles sont obligées de faire un peu des zigzags à travers le parc. Ce serait étonnant que ce soit payant. Allez, pour le moment, Simona, elle se soucie pas de ça. Elle est devant. Regardez, et si elle sort quand même devant. Alors que c'est Matejkova qu'on a perdu. Elle arrive, ouais, juste derrière en quatrième, mais effectivement déjà légèrement décroché. Ouais, c'est étonnant de. Ouais, je pensais que le choix dans le parc allait faire perdre quelques secondes à Victoria Ichtenbjörnstad. C'est pas le cas, elle est toujours solidement en deuxième position. C'est la place qui va nous intéresser, hein, parce que bon, pour la gagne, on voit assez devant. Ouais, elle est costaud,
la pédale. Ouais, ça reviendra pas derrière. C'est étonnant. Et j'ai vu le GPS qui s'est passé pour Barbora Matejkova. Parce qu'il me semblait qu'elle pouvait ressortir en tête sur la 13, mais ça n'a pas été le cas. Alors je ne sais pas si elle a fait un peu son choix à un moment. Allez, Simona Bersol. Allez, la victoire pour cette demi-finale de Simona Bersol qui va finir tout en contrôle, alors que derrière c'est la Norvégienne. Hein. La Norvégienne Bjørnstad. Ashta Bjørnstad Victoria qui prend la deuxième place. Ashta Bjørnstad, donc la Norvégienne, et puis donc Lintz, la Danoise, en troisième position. Matejkova, la Tchèque, en quatrième position. Là aussi, hein, on va retenir ce nom, Matejkova, tu le disais Mathieu, hein, toute jeune Tchèque pour sa première participation sur cette Coupe du Monde. Et bien déjà une demi-finale, quatrième place pour elle, et donc Venlar, vous l'avez vu, en cinquième position. Oui, pour Venla, on savait que ça allait être un peu compliqué. La vitesse qu'elle avait dans ses jeunes années. Et le bord des clans de Rug qui arrive complètement décroché. La Norvégienne qui a. On connaît moins. Qui visiblement a été plus en difficulté sur cette demi-finale. Et ben Robin, ça y est. On a fait le tour de nos demi-finales. Effectivement, les demi-finales qui se terminent, tout à fait. Et donc, eh bien, ça nous promet une belle finale, hein, avec les favorites, bien sûr. Toby Alexanderson, Simona Bersol qui sera là. On n'aura pas Anna Lundberg, on aura Andrine Banyaminson. Là, une très, très belle finale qui s'annonce chez les dames. Et avant ça, on va retrouver la finale homme dans quelques instants. Présentation de la carte, bien sûr, hein, puisqu'on change de parcours. Pas de runner choice là, mais un parcours unique qui se jouera pas de variation. À la pédale, au choix, à voir. Bon, on va avoir la carte présentée, mais en tout cas, voilà, cette dernière demi-finale femme qui vient donc apporter les deux dernières participantes à la finale, Simona Bersol, Victoria. Deux Norvégiennes, une Suédoise seulement, petite surprise, et une Danoise. Ouais, on sait que l'armada suédoise, très très costaud, des fois elles sont capables de truster 3-4 places en finale, et là il n'y en aura qu'une. Mais attention, pas n'importe laquelle. Tove Alexandersson, avec deux Norvégiennes, Benjaminsen, Ashta Bjørnstad, deux Suissesses, Gamperle à Bersold, et Ida Agarvik Christensen, la Danoise, ce sera un petit peu l'outsider hein, de cette finale. Oui. Alors que chez les garçons, bah, deux Suédois, deux Finlandais, deux Suisses. Ouais, alors on reste sur le GPS de cette dernière demi-finale qui nous est proposé. Mais ouais, c'était le GPS de la Tchèque qui m'aurait intéressé. Mais... Ouais. Voilà donc les résultats complets hein, de ces demi-finales. Ah, Simona Bersol, 8-20, meilleur temps de ses demi-finales. Et on l'a vu, elle a complètement contrôlé en plus. Enfin, elle a terminé en footing, mais presque avec un grand sourire. Donc, ouais, attention à elle, on sait qu'elle est en forme. Et là, on va avoir un beau duel avec Tove Alexandersson qui, pour le coup, on le sait, n'est pas à 100%. Donc, ouais, ça rebat les cartes. Ça va être intéressant à suivre. Allez, avant ça, Mathieu, la finale homme, donc, qui va nous être présentée maintenant. D'abord la carte, bien sûr. Les paramètres de course. Ouais, 14 mètres de Finlande, 2 km 3. Malheureusement. 2 km 3. Toujours un terrain très très plat. 14 mètres de dénivelé annoncé. Un dénivelé plus plat. Pour un temps de gagne estimé de 7-8 minutes. Là encore, hein, même circuit pour les filles et les garçons. Allez, le parcours, Mathieu, je te laisse nous le présenter. Ouais, alors on retourne dans ce petit parc. On a vu rapidement là avec les filles tout à l'heure. Ben là, on aura droit à deux postes dans ce petit parc. Ensuite, un long choix de trois avec pas mal de possibilités, de variantes, mais sans doute un peu tôt dans la course. Alors, est-ce que déjà les coureurs vont oser partir, il y a des possibilités soit en enroulant un peu plus, soit en passant plus sous le trait rouge, mais il y a 3-4 possibilités différentes. Ensuite, un poste 3-4, 3-4-5 là dans une partie où c'est un peu plus en navigation.
5-6, hein, une possibilité droite-gauche, hein, comme souvent. 7 passages Arena. Là, pas de variation. Et puis, on va attaquer la dernière boucle. L'emballage, là où on va voir les différences. 9-10, sans doute assez proche du trait rouge, pas vraiment de choix. Et là, attention, le choix 12-13, le choix qui risque d'être décisif. Avec soit on revient en arrière, on fait le tour, soit on fait un S. On verra, c'est probablement là que ça va jouer si on veut faire, si les coureurs veulent faire des différences. Donc sans doute un choix 12-13 déterminant si les choses ne se sont pas décantées avant. Et donc la présentation de cette finale avec deux Suisses, Timo Suter, Joey Adorn, deux Finlandais, Thomas Ekilä, Teemu Oksanen et deux Suédois, Martin Raiborg, Jonathan Gustafsson. Effectivement, hein, c'est une finale qu'on n'aurait pas forcément dite avant ce week-end. Hein. Alors on savait que Mathias Kibior n'était pas là, mais on n'a pas Casper Fosser, on n'a pas Auguste Mollen, on n'a pas... il manque un petit peu de monde, mais bon, une finale qui sera bien sûr à la hauteur de cette première manche de Coupe du Monde. Les deux Suisses là qui sont face caméra. Joey Adorn, Timo Suter. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein, Timo Suter avec son fan club. Ouais, la surprise, allez, le voilà. Alors, c'est le premier présenté. Suter, alors on l'a dit, hein, on ne le connaît pas bien. Mais depuis ce printemps, c'était lui qui a les meilleures références que les Suisses sur format urbain. Thomas Ekilä, on en a parlé aussi. Le Finlandais qui a. Il est vraiment costaud depuis les championnats d'Europe format urbain l'an dernier. Il était médaillé sur le sprint. Joey Adorn, lui, il adore le format KO sprint. Donc c'est pas une surprise de le retrouver là. Hein, la dernière fois, il n'était pas en finale, il s'était rentré dedans avec Casper Fosser. Mais là, il est bien là. Martin Raiborg, très en forme. Jonathan Gustafsson, spécialiste. Au sprint, hein, déjà médaillé sur le championnat du monde sur ce format de course, donc ils vont plus prendre une surprise. Et la surprise, ben, c'est peut-être lui, Teemu Oksanen. C'est pas le Finlandais qu'on attendait forcément, on attendait peut-être plus Mika Kirmola qui n'est pas là. Et donc c'est peut-être bien l'outsider, mais bon, il a montré qu'il était costaud sur la demi. Et ouais, c'est quand même difficile de l'imaginer sur le podium. Et en l'absence de Mathias Kibbutz, difficile de dire qui va remporter cette finale. Et c'est parti pour cette finale donc de cette première manche de Coupe du Monde de KO Sprint. Ah, je l'ai pas en tête la stat, mais j'aimerais bien savoir quelle est la dernière course internationale qui n'a pas été remportée par Mathias Kibbutz sur un KO. Tellement ce Suisse dominait jusque-là. Ah, effectivement. Aujourd'hui, ça sera une nouveauté, hein, puisque ça fait quelques temps. Ouais, c'est la porte ouverte, comme tu dis. Mathias Kibbutz, tu dis hein, qu'on retrouvera cet été hein, au Marathon de Paris, hein, puisque il a brillamment obtenu sa qualification au Marathon de Paris, justement, pour les Jeux Olympiques qui se dérouleront 2h44 cet été. De tête. Ouais, ouais, très, très costaud. Ça faisait plaisir à voir. Tout le monde de l'athlé. Mais en tout cas, voilà, Mathias Kibbutz qui ne prend pas part à cette Coupe du Monde. Et donc. Ah, et Oksanen qui a pris les devants. Ouais, ça part sur un rythme d'observation. Tranquillou. On a. Voilà, ils viennent de partir sur le long choix 2-3. Et ouais, je l'ai dit en avant-course. Un choix qui arrive peut-être un petit peu trop tôt. Ouais, coup, ça reste ensemble pour le moment, effectivement. Ils sont restés ensemble, ils n'ont pas envie de prendre de risques aussitôt dans la course. Pour le moment, et Joey Adorn, hein, comme en demi-finale, hein, qui est vraiment au queue de peloton. Ouais, mais alors attention, parce que là, au fur et à mesure qu'on avance dans les rounds, le niveau s'élève et c'est de plus en plus difficile après de raccrocher. Donc, probablement qu'il va essayer de ne pas traîner trop en queue de groupe trop longtemps. Fait le choix par la droite le long du boulevard. Un choix qui est légèrement à peine plus long qu'en étant un petit peu plus sous le trait rouge, mais du coup qui permet de courir. Simplifier au maximum. Surtout là, c'est pas tant
C'est pas tant ça la problématique, surtout de rester groupé et de surveiller ses adversaires. C'est toujours un peu le problème, hein. Si on fait un choix seul du groupe, eh ben on sait pas à quelle vitesse court le groupe. Et on prend le risque de se retrouver décroché ou de partir sur un mauvais choix. Tommy Oksanen, toujours en tête, un petit peu la surprise là, c'est l'invité surprise. Et le lièvre, le lièvre de cette finale. Ouais, les autres ont décidé de le laisser travailler pour le moment. Allez, Timo Suter, Joe Adorn, vous le voyez, hein, les deux dernières positions. Gustafsson, le Suédois là, sur le côté. Et Ekile, le Finlandais, en pénultième pour le moment. Ça reste groupé, on pouvait s'y attendre. Ça va se décanter dans la dernière boucle, certainement. Il va falloir, on est en train de revenir sur l'arena. Allez, les deux Suédois au deuxième et troisième place, Gustafsson et Rekborn. Clairement, la course n'est pas décantée. Regardez, c'est allure de sénateur. Alors attention, hein, ça a l'air facile. Il n'y a déjà pas grand monde qui peut suivre à cette allure-là. Oksanen qui fait le show en tête pour le moment. Ah, ça y est, Rekborn qui part à droite dans Gustafsson. C'est Gustafsson avec Timo Suter, hein, le Suisse. Gustafsson et Suter qui s'écartent du peloton avant de revenir sur l'aréna, justement. Ouais, c'est ça, on est sur 5-6, on a un choix de gauche-droite. Il n'y a pas une énorme prise de risque, hein, parce que là, les deux sont assez... Bah ça se regroupe. Voilà. Effectivement, ils sont à nouveau 6. Encore là, ça avec va jouer. Super... Alors que c'est voilà, Martin Rekborn qui a repris avec Gustafsson. Les deux Suédois qui ont pris les deux premières places pour le moment. Groupé. C'est le jeu de. Alors, on a passé la mi-course. On prend un gros finish. Et ce petit jeu-là, Joël Adorn, foncé, costaud. Joël Adorn qui prend la tête du groupe. Mathieu, on se lance dans cette dernière boucle. Il reste un peu plus de 2 minutes de course. Ah, c'est toujours sympa pour les Suisses de passer d'un passage spectacle. Mais à mon avis, il a aussi décidé d'appuyer un peu sur la pédale. Il a accéléré effectivement. On a vu là le tempo. Bon moteur pour Joël Adorn. Timo Oksanen a plus de difficultés alors que. Ouais, Suter lui est un petit peu décroché. Mais c'est Joël Adorn qui mène la danse là. Allez, on repique à gauche dans la ville et puis après il y aura ce fameux dernier choix, Mathieu, tu l'as dit, 13-14. Voilà, on a un premier petit choix, 11. Allez, ça serait bien de montrer les petites fleurs là parce que là c'est plus le temps de rigoler. Regardez, là on a un premier choix sur 11-12, potentiellement un petit gauche-droite. Est-ce qu'on va chercher le petit passage pour coller au trait rouge? Ouais, visiblement c'est ce qu'ont décidé de faire les coureurs. Et puis c'est sur 12-13, hein, si pour ceux qui ont bien effectivement. Là, on a plusieurs possibilités assez proches, notamment celle de revenir en arrière pour enrouler par le bas, par le sud, qui peut être une option, ou celle de faire le... Allez, c'est là. Regardez, on voit ça se sépare. Ouh, on a pas tout vu, là. On n'a pas tout vu, ça s'est écarté. Ouais, on a rien vu du tout, même. Est-ce qu'on... Allez, Adorn. Joe Adorn. Ah, les caméras. Timo Suter décroché, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, ouais, effectivement, c'est Joël Adorn devant qui semble. Allez, Joël Adorn qui a l'air en tête avec Gustafsson derrière. Oh, aïe, ça va se jouer à rien du tout. Non, qu'est-ce que je dis pour notre semaine. Joël Adorn, Gustafsson. Joël Adorn et Gustafsson qui sont en tête pour le moment. Joël Adorn qui va certainement s'imposer. Allez, Gustafsson en troisième position. Il va faire 3. Et qui va faire 3 Joël Adorn qui donc renvoie à Joël Adorn qui va. Alors c'est deuxième Joël Adorn.
annoncé deuxième sur la ligne. Ouais, non, à mon avis, il y a un problème de plus parce qu'il est bien passé en tête. Gustafsson est donc équilé en troisième position. Bravo, Joey Adorn. Bravo, Joey Adorn. Alors, c'est un peu confus, hein. On n'a pas tout compris là sur qui est passé où et pourquoi. Mais Joey Adorn, lui, on l'a vu dès le passage spectacle, prend les choses en main. Et il est costaud sur ses emballages là, quand ça joue serré. Et ouais, c'est costaud, Gustafsson aussi, hein, un petit peu de format KO. Ouais. Ah, il fait le show effectivement, mais on l'avait dit, hein, c'est pas une surprise de le voir là. Ouais, voilà, en chaos sprint, il aime bien ce format. Il a déjà eu des médailles mondiales sur ce format. Mais bah, il faudra toutes les caisses pour comprendre exactement ce fameux show à 12-13. On l'a dit, hein, qui pouvait être décisif. Et pour comprendre qui est passé où. On a vu comme c'est des choix qui étaient quand même assez proches, c'est quand même important d'arriver sur le poste 12 et bien placé. C'était le cas pour Joey Adorn. Ouais, il a vraiment, vraiment maîtrisé effectivement hein, cette course. Il était un peu derrière hein, sur le début de course. Il a observé, il a regardé, puis il a pris la tête, comme tu l'as dit, en passant au passage spectacle. Il est passé en tête et derrière, il a fait qu'accélérer. Gustafsson qui était juste derrière, mais voilà, hein, sur ce dernier finish. Et qu'il est en troisième position, le Finlandais. Reborn a tenté, voilà, vous voyez, on le voit repartir en arrière, Martin Reborn. Lui, il a fait le choix, dont on parlait tout à l'heure, de repasser par en bas. Et tu vois, on sait qu'il est là, il était encore bien. Ils sont venus quasiment se tamponner. Martin Reborn aussi était encore dans le match. Ouais, ça joue vraiment dans les derniers mètres. Et au final, c'est les deux plus costauds avec ceux en tout cas qui ont plus de références sur ce format de course, qui ont tiré leur épingle du jeu. Teemu Oksanen, on l'a dit, décidément, Teemu Oksanen, il n'était plus dans le match du tout. Lui, on l'a dit, il a bien progressé en KO, mais c'est pas son format de prédilection. Alors que pour le coup, Joey Adorn, lui, il adore ce format-là et ouais, il a déjà eu des médailles mondiales au même titre que Jonathan Gustafsson. Donc, ouais, s'il y avait une petite pièce à mettre, c'était effectivement sur ces deux-là. Allez, on va voir ce qui s'est passé, Mathieu, dans cette dernière boucle, justement. Le départ, hein, pas trop de choses à dire, si ce n'est que le groupe est resté ensemble. Ouais, bah, c'est là, c'est. Non, c'était la dernière boucle. Hein, c'était la dernière boucle. Mais ça allait trop vite. Ça allait un peu vite. Ouais. En tout cas, on voit qu'il y a eu des choix hein, qui ont été faits. Mais c'est bien Joey Adorn qui s'impose dans cette première manche, première étape de Coupe du Monde. Le Suisse, donc, qui remporte cette course. Ouais. Alors, au championnat d'Europe en 2021, à domicile, il fait deuxième derrière Mathias Kiburs. Et du coup, c'est un format qu'il aime bien. On l'avait vu l'an dernier au championnat d'Europe, un coin de rue, il s'était rentré dedans avec Kasper Fosser. C'est vraiment un des soucis qu'on a en KO avec ces formats aussi nerveux. Donc les deux avaient dû passer par la case de l'hôpital. Mais d'habitude, Joey Adorn est toujours là. Thomas Sekilä, le Finlandais, qui prend la troisième place. La Finlande, hein, encore une fois, sur le podium. Il faudra le surveiller demain en sprint, hein, parce qu'il est quand même plus à l'aise sur le format sprint. Normalement, Thomas Sekilä, il avait fait troisième au dernier championnat d'Europe. Et Joey, il a encore progressé. Attention à lui. Ah, Mathieu, la petite interview. It was tricky from the beginning, the qualification already. It was tricky course, but I felt really strong today. I had my tactics. I worked a lot to get myself in the right mood and have the right tactics. And today it played out. I followed my plan. I learned a lot from my teammates. And now today I could take the victory and really grateful for that. You spoke about the tactic at the beginning. You was always a bit behind, fifth and sixth position. Was that tactically? And then taking the lead in front of the crowd here in the area. Yeah, right. I mean, I knew they had some good physical shape and some good last kick. And I was afraid that
I made a mistake in the beginning, so I was just following the group, looking how they are doing, and in the end, yeah, hopefully to have the best legs. But now in the final, I really saw the last four controls. I knew every route, so I attacked from the arena passage, and I'm really happy it ended in the win, but some meters more, and probably some guys would pass me. Eine Frage dürfen wir auch noch auf Schweizerdeutsch. Joey, erzähl mal, wenn man in der Hälfte hier durchkommt. Ouais, maintenant, c'est la traduction en allemand, Mathieu. On te laisse nous donner le. Bon, on va en profiter. Alors, il a dit que c'était difficile dès les qualifications. Effectivement, les courses qualifications étaient quasiment les courses les plus techniques. Mega schön, es war extrem laut. Und dann auch auf den letzten Metern. Ohne euch wäre es etwas nicht möglich. Danke vielmals für das Anführen. Notamment d'être un peu plus passif sur le début. Il avait peur de faire une faute. Merci vielmals, Joey l'emballage. Adorn. Et il avait anticipé tous les choix en fait, de la fin. Et ce qui lui a permis de, d'être full gaz, hein, comme on dit, d'être vraiment à fond sur toute la fin de course. Voilà, c'est une tactique qui n'est pas une surprise. Hein. On sait que c'est la tactique notamment de Mathias Kiburz et des meilleurs, c'est d'être bien en contrôle sur le début, d'anticiper les derniers choix pour pouvoir être complètement dans l'effort physique et plus être en lecture. Mais il a aussi dit que quelques mètres de plus, et sans doute, ça aurait été compliqué. Et on le voit là, Jonathan Gustafsson n'était pas loin, effectivement, de venir le croquer sur la ligne. Mais aujourd'hui, c'était bien lui le plus fort. Ouais, même si, et ouais, effectivement, hein, il est un peu moins concentré sur la CO et pas mal sur le trail. Hein, mais voilà, il est encore profite de ce format KO très, très rapide pour, bon reste. Pour jouer avec ses qualités physiques. Allez Mathieu, on passe à la deuxième finale du jour avec la finale dames, bien sûr. Et là aussi, on va avoir un beau match avec bien sûr les favorites qui vont nous être présentés sur la ligne de départ. On pense à Tove Alexandersson, on pense à Simona Aberson. Il y aura des outsiders, évidemment. Ouais, et quelques outsiders. Il y aura Natalia Gamperle également. Tirer leur épingle du jeu. Natalia Gamperle qui a été solide toute la journée. Et puis Andrine Banyamusen, hein, qu'on a vu sortir Anna Lundberg au cours d'une demi-finale au couteau. Quelle stratégie va adopter Tove Alexandersson, on le sait, hein, qui aime partir fort, mais là il y a du monde hein, derrière. Hein. Très intéressant, parce que peut-être un petit peu en dedans pour Tove aujourd'hui, et Simona Aberson est en forme, donc probablement que ça rejoue un peu ça rebat un peu les cartes tactiques. Tactiquement, on sait que Tove d'habitude aime partir à la pédale, et là on l'a vu sur la demi, elle a quand même eu du mal à mettre en place son plan. Donc intéressant. Allez, Natalia Gamperle, donc la Suissesse, hein, que vous avez vu Banyaminson maintenant, oui, à l'écran. La Norvégienne, un petit ton en dessous physiquement, mais on l'a vu, hein, elle a quand même réussi à s'accrocher. Simona Aberson, ouais, ça va vraiment être intéressant à suivre, hein, ce duel-là. Même si évidemment elles sont 6, hein, mais il y a forcément un match dans le match avec ces deux-là qui sont un cran au-dessus. Ah, Ida Garbi, la petite surprise, la danoise. Ouais, la surprise de cette finale, on peut le dire quand même. Et malheureusement, avec un petit point de déception pour nous, parce qu'on aurait bien aimé voir à la place d'Ida notre petite Frenchie. C'est son calendrier qui avait sa place là parmi les 6 meilleurs. Victoria qui est correctionnel dès la qualification, qui a failli pas passer les qualifs hier. Et finalement, qui se retrouve en finale parce que c'est très trop fort. Et c'est parti pour cette finale, Mathieu, pour cette première manche donc de la Coupe du Monde. Alors, une petite question, je sais pas si tu as la réponse d'ailleurs. Les deux Suissesses ont, Gamperle et Aberson, ont un élastique autour du bras. Est-ce que tu sais à quoi ça peut servir? Non, j'ai pas fait attention. Aberson là qui en a un sur le bras droit et puis Natalia Gamperle qui a sur le bras gauche un élastique, un espèce de, ouais, d'élastique. Et ben on va se renseigner et puis on vous dira à quoi ça peut servir. Oui, la en tout cas c'est parti aussi, donc voir une seule Suédoise, hein. C'est là aussi c'est quand même très très rare, d'habitude elles sont deux ou trois en finale, si ce n'est pas plus même parfois. Et donc ouais, sur les derniers championnats d'Europe, on avait Tove Alexandersson, Anna Lundberg et Sarah Ekström. Et bien là, Tove Alexandersson va devoir se débrouiller toute seule face à Simona
Mais regardez, elle est pas très très bien partie pour le coup, Tove. Effectivement. Avant-dernière position. Elle est déjà dans le peloton. Dans cette petite entrée du parc. Il semblerait qu'elle ait peut-être pas vu le passage, l'entrée par la gauche. Allez, en tout cas, elles sont parties sur ce long choix 2-3. On l'a dit, beaucoup de. Le traceur était fier de son choix, beaucoup de possibilités, mais à mon avis, trop tôt dans la course. Et là, on le voit chez les filles aussi. Ça se suit. Donc, on nous dirait que le petit élastique au bras serait peut-être une ceinture cardio. Ouais, effectivement. Merci, merci Simon Leroy qui nous regarde et que vous retrouverez le week-end prochain, Mathieu, qui commentera avec toi. Et une nouveauté chez les commentateurs français avec Simon Leroy qui nous rejoint dans l'équipe, qui commentera la manche de Coupe du Monde en Italie la semaine prochaine. Et donc, il nous suit et merci de nous avoir répondu. Et donc, ça serait un capteur cardio-élastique qui remplace les anciennes ceintures. Le cœur dans le bras. C'est bizarre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Peut-être. En tout cas, le cardio, là, il va en falloir, hein, notamment sur cette fin de course. Au moment, les filles jouent groupées sur ce long choix 2-3. Christiansen un peu derrière pour le moment. C'est pas forcément une surprise de l'avoir là. Les filles ont fait le choix de passer par la gauche, alors que les garçons étaient passés par la droite. Mais le résultat est le même, c'est qu'elles font le choix de rester groupées surtout. Et vous voyez, elle est pas bien. Hein. Regardez sur cette entrée-sortie de poste là. Il lui a fallu quelques secondes pour se décider. Elle est en retard hein, dans sa planif. Pour le moment, c'est les Suissesses qui mènent le bal. Regardez, Simona Bersold devant Natalia Gamperlé. Alors, on voit les filles qui arrivent de la trouver. Qui reprend la troisième place. Mais on la sent pas complètement en contrôle. Hein. D'habitude, elle aime bien partir devant. Elle n'est pas à son habitude, effectivement. Et pour le moment, là, elle n'est pas visiblement pas en capacité de jouer sa tactique habituelle. Peut-être devoir se battre un peu plus que d'habitude. Alors qu'en KO, à l'image d'un Mathias Kuburs, elle est généralement imbattable. Ben là, attention aujourd'hui, c'est pas fait, c'est pas gagné pour elle. Notamment avec la fille qui a pris les devants pour le moment, Simona Bersold. On sait, très en forme. Mais il va falloir qu'elle garde la tête froide. Hein. Elle a tendance parfois à faire quelques boulettes, Simona Bersold. Là, on se rappelle l'année dernière en Italie, hein, sur les championnats d'Europe, où elle avait un peu explosé sur le relais sprint. Allez, Simona Bersold, Tove Alexanderson, ça se sépare là sur cet interposte. Ouais, le poste 5-6, on l'avait vu avec les garçons. Voilà, elle a fait le choix de la droite. Tout à l'heure, on avait suivi les garçons sur le choix de gauche, mais on l'a vu un choix qui ne faisait pas de différence. Voilà, ce choix est légèrement plus court, mais vous le voyez là, il faut zigzaguer un petit peu à l'intérieur de ce bâtiment, alors que les filles qui sont passées par la gauche, on voit Tove arriver de la gauche, elles n'avaient pas zigzagué. Et Natalia Gamperlé en troisième position. Voilà, on a les trois costauds. Les trois favorites. Final, ouais, effectivement. Le trou est même fait avec Andrine Bagnalinson. Hein. Alors qu'on ne va pas reparler trop vite parce que tout à l'heure on disait ça et qu'elle est revenue. Ouais. Mais là, pour le moment, effectivement, quatrième position. Alors, c'était pas Tove devant, Tove et Simona. Alexandre Bersold, c'est quand même pour leur reprendre du temps en fin de course, il faut quand même être costaud. Allez, Simona Bersold, Tove Alexanderson, Natalia Gamperlé, donc les trois premières de cette course. Dans cette dernière partie là, dans ces rues. Alors, est-ce qu'on va comprendre un petit peu plus ce qui s'est passé, ce qui va se passer? Les garçons, ouais, on espère. Si le caméraman arrive un peu mieux à suivre les filles, que les garçons, visiblement tout à l'heure, ça allait très très vite. Le caméraman avait du mal à vous montrer ce qui s'était passé. Allez, on est sur choix 9-10. En tout cas, pour le moment, les trois premières sont ensemble. Ouais, Tove n'a pas réussi encore à se détacher, et on le sait, hein,
le fameux kick, le sprint final, c'est pas forcément sa force. Donc si elle veut terminer devant, à un moment, il va falloir qu'elle elle trouve une vitesse supplémentaire. Et pour le moment, on a l'impression qu'aujourd'hui, elle l'a pas, cette vitesse. Allez, 10, ah, effectivement, 11. Effectivement, ça paraît compliqué pour Andrine Magnussen maintenant pour revenir. Oui, oui, ça va sans doute se jouer, à part grosse boulette sur la fin, ça devrait se jouer entre le Suissesse et la Suédoise. Allez, montrez-nous ce qui se passe. Allez, le GPS maintenant. L'emballage. Ouais, là, pour le moment, elles font le même choix, le choix sous le trait rouge. C'est sur 12-13 hein, qu'il peut encore se passer des choses. Allez, elles sont toujours groupées. Vous voyez Tové. Elles sont toutes les trois ensemble. Ouais, arrive pas à se défaire des Suissesses. Et là, les trois font le choix qu'on a vu tout à l'heure. Donc, elles repartent en arrière et elles vont tout enrouler par le sud. Mais du coup, elles font le même choix, donc ça va jouer à la pédale. Elles restent ensemble, elles restent ensemble, ouais, elles restent ensemble, effectivement. Match. Ouais, elle passe par le sud, mais Tové, regardez, elle essaye de passer. Elle fait l'effort, effectivement, ouais. Elle passe maintenant devant. Oh, elle est costaud, Tové Alexanderson. Ouais, mais Simona est là, elle s'accroche. Voilà, ça va être. Allez, Tové Alexanderson, qui donne tout maintenant. Simona Anderson juste derrière. Alors attention, ça va se finir sur pas grand chose. Grosse finisseuse. Ouais. Au moment. Allez, Tove Alexanderson qui accélère maintenant, effectivement, et qui va remporter cette finale. Simona Anderson en deuxième position. Allez, Natalia Gabriel en troisième, ça va se finir. Voilà, elle a fourni sa vitesse. Rien du tout. Est-ce que Simona va pas se faire dépasser? Waouh, elle a pas poinçonné. Natalia Gabriel, ce sera troisième. Tove Alexanderson qui va donc remporter. Tove Alexanderson qui remporte cette première manche de Coupe du Monde, Simona Anderson deuxième et Natalia Gamperlé au risque d'un mauvais poinçon, enfin en tout cas d'une petite faute de poinçonnage. Troisième place pour elle. Elle pouvait faire deuxième, hein, Natalia Gamperlé. Ouais. Elle avait l'air d'avoir l'accélération. En tout cas, on a eu notre fameux duel qu'on attendait et c'était intéressant parce qu'on n'avait pas encore vu Tove Alexanderson dans cette position-là, de devoir se battre dans les derniers mètres. Jusque-là, elle était toujours en capacité de se décrocher avant le sprint final. Là, ce n'était pas le cas. Et ben, on a vu quand même que elle a sa vitesse aussi. Alors attention, hein, Simona Bersol, ce n'est pas une super sprinteuse non plus dans les tout derniers mètres. Si ça avait été face à une Megan Carter Davis, par exemple, hein, qui est malade, donc qui n'était pas là aujourd'hui, peut-être qu'elle aurait été plus en difficulté. Mais en tout cas, chapeau Tové. Voilà, elle a été malade les 10 derniers jours. Et elle n'était pas sûre de pouvoir s'aligner, en tout cas en étant à 100%. Et ben elle est là, Tové, bravo. Et elle remporte sa 47e victoire en Coupe du Monde, hein, on me souffle dans l'oreillette. Bon, c'est des chiffres qui donnent le tournis. Hein. Mais ouais, en KO, et ben voilà, quel que soit le scénario, finalement, elle est quand même capable. Parce que là, on l'a senti vraiment ballottée hein, sur cette course. Comparé à d'habitude, regardez là sur ce poste, elle n'avait pas anticipé vraiment sa sortie de poste, elle n'était pas complètement en contrôle. Elle a su être résiliente hein, sur cette course, c'est-à-dire faire le dos rond en début de course, revenir dans le match, et puis sur l'emballage, être capable de trouver quand même cette vitesse supplémentaire qu'on n'était pas sûr qu'elle ait aujourd'hui. Chapeau, bravo à elle. Ouais, ça s'est vraiment joué sur le final. Alors là, pour le coup, on a bien vu. Elle a accéléré là, à ce moment-là, dans la petite descente. Là, elle est passée devant Simona Bersold. Et puis après, c'était tout droit. Et là, alors on va revoir hein, ce qui s'est passé parce que Tove Alexanderson passe en tête. Simona Bersold poinçonne. Qui a raté un peu justement. Ouais, elle lui coupe un peu la route au moment de pointer le poste. Du coup, Natalia Gamperlé se retrouve loin du poste et elle n'était pas sûre que le. Ouais. Son poinçonnage sans contact est marché. Elle a été obligée de vérifier. Elle a eu un doute. Et c'était fini pour elle, évidemment. Mais c'est déjà, déjà une belle place pour elle. Elle a été costaud toute la journée. Elle avait déjà fait troisième. Le match pour la Coupe du Monde est lancé. Hein, le match pour la Coupe du Monde 2024 est lancé. Entre Simona Bersold et Tove Alexanderson. Et Tové qui reste imbattable hein, sur ce format de course. Elle avait gagné les championnats du monde en juin 2022. Elle a gagné les championnats d'Europe en octobre 2023. Ben voilà, là, elle gagne
cette première manche de Coupe du Monde. Elle s'affirme évidemment comme favorite pour les championnats du monde de cet été. On espère retrouver une Megan Carter-Davis en pleine forme, elle qui avait été la révélation des championnats du monde en 2022. La Britannique, la Galloise, absente aujourd'hui. On verra si elle, si elle s'estime suffisamment en forme pour être présente demain. Mais c'est pas gagné, vu qu'on l'a vu sur les réseaux au fond du lit hier pendant les qualifications. Malade. Allez, bravo Tove. Elle s'est bien battue. Et ça, c'est... ça on n'en doutait pas. Hein. C'est une sacrée guerrière. La chaîne, ah, ça fait Tove, plaisir. On l'a vu des... Et les rares fois où on la voit battue, hein, généralement, c'est dans les sprints au coup d'à-coup, où elle a parfois tendance à se désunir un peu. Elle n'a pas une technique de course très académique et il lui manque un tout petit peu de vitesse par rapport au plus rapide. Allez, l'interview. A lot of happening already at the first, yeah, the first control. Simona was first and Natalia was second and threw the post down on the ground, so it went really messy there and I was a bit behind. So I get a little bit stressed, but then I was just running behind and I felt that I had one extra speed to turn in to the end, so I was running there and waiting until the second last control. I had my plan was to take the other route choice, but when both Simona and Natalia took the other one, I was thinking that I take the same and put in my extra speed and see if it will work. And I gave absolutely everything I had in the end, and my legs was it hurt so much in the end, and I was thinking maybe they will come with some super speed, but so I was just so happy that I could keep the distance to the finish. So okay, thank you very much and congratulations again, Tove Alexandersson. Très heureuse, forcément. Ah, c'était intéressant cette interview. Hein. Elle a dit que le début de course n'est pas passé comme prévu dès le premier contrôle. En fait, Nathalie Gimperlé a renversé le poste. Du coup, c'était un peu la panique. Elle était un peu en stress derrière ça. Mais elle a quand même senti qu'elle avait une vitesse, une extra vitesse, hein, une vitesse supplémentaire. Donc, elle a pu attendre un peu son heure. Elle a attendu la fin de course pour vraiment mettre en place cette vitesse supplémentaire et en fait sur le dernier poste, le fameux 12-13, elle avait choisi un autre de partir sur un autre choix d'itinéraire, mais quand elle a vu les deux Suissesses partir en arrière pour faire le choix par le en bas, elle a décidé de les suivre. Donc vraiment c'est des choix qui se jouent en un quart de seconde, hein, et en disant bah tant pis, je suis et je mise sur ma vitesse. Et finalement ça lui a réussi, même si elle a dit qu'elle a eu peur sur les derniers mètres de se faire reprendre. Donc voilà, intéressante cette interview de Tove Alexandersson. On voit elle a mis en place une tactique différente de d'habitude, mais qui lui a finalement réussi. Ce qui lui permet aujourd'hui, effectivement, victoire. La cérémonie des fleurs pour la course homme qui a lieu maintenant. A dit il a progressé. Troisième position. Parce que format chaos sprint, il n'était pas forcément plus à l'aise parce qu'il a tendance à avoir un tempo très élevé, mais pas forcément la capacité d'accélération. Hein, son entraîneur Thierry Georgiou nous a dit qu'il avait travaillé ça et visiblement il l'a bien fait. Il était sur le podium aujourd'hui. Zweiter Platz für Schweden. Deuxième place donc. Pour le Suédois, Jonathan Gustafsson, effectivement. Médaillé au championnat du monde en 2022 sur ce format. Il avait pris la troisième place. Ben le voilà, une place au-dessus aujourd'hui sur le podium. Il manque la première place. Et le sourire donc, à domicile. Il remporte cette première manche, première étape de Coupe du Monde, première manche, première course de Chaos Sprint. Joey adore donc le Suisse. Lui, on le sait, il adore ce format-là. Et il le démontre encore aujourd'hui. Alors d'habitude, il est barré par son compère Mathias Kiburtz, hein, qui est l'ogre de ce format de course. Mais là, sans Mathias Kiburtz, il a su montrer que
Ouais, qu'il est le meilleur quand Mathias n'est pas là. En tout cas, c'est le cas aujourd'hui. Il avait été à la deuxième place au championnat d'Europe 2021. Il adore ce format-là. Et on voit son grand sourire. Jonathan Gustafsson et donc beaucoup de médailles mondiales sur ce format-là. Donc voilà, c'est pas complètement une surprise. Par contre, le petit nouveau sur le podium, sur ce format-là, c'est Thomas Sekila. Mais on l'a expliqué. Il a progressé, le Finlandais. Il a été super costaud. Il a remporté sa qualif, il a remporté son quart. Voilà, on a vu le contrôle toute cette journée. Ça lui permet de prendre sa première médaille mondiale sur une course internationale sur ce format-là. Donc les filles se préparent à leur tour. Là, on a eu notre match, Robin. Ouais, absolument, Mathieu, effectivement. On a eu un très très beau match dans cette course féminine. Et ça nous promet un beau sprint demain. Elle n'en cache pas, elle l'a dit, elle vise le général de la Coupe du Monde. Et pour ça, il va falloir empêcher Tove de marquer des gros points. Elle s'est ratée aujourd'hui, Tove, elle est là. Elle est bien là, même un tout petit peu moins en forme que d'habitude. Hein. On l'a rappelé, elle a été malade juste avant cette Coupe du Monde. Elle n'était pas sûre d'être à 100%, et ben même Tove à 80-90%, c'est difficile d'aller la chercher. Natalia Gamperle est donc troisième de cette course. Natalia Gamperle, ouais, une nouvelle fois sur le podium, troisième en 2023 au championnat d'Europe. Déjà. Voilà. Allez, celle qui veut être calife à la place du calife. Simona Bersol qui lance donc ce match pour la Coupe du Monde, on le redit, hein, cette Coupe du Monde 2024. Deuxième sur cette première course. Il y a encore une course demain, et il y en a deux la semaine prochaine. Elle fait tout ce qu'il faut pour rattraper l'écart avec Tove Alexandersson. Elle s'entraîne dur. Et on voit, elle réduit l'écart petit à petit. Et on l'a vu déjà sur le championnat du monde de longue distance l'été dernier. Elle avait été capable de battre Tove. Attention, Tove, il faut qu'elle se bagarre dur pour rester devant. Et c'est ce qu'elle a fait aujourd'hui. La guerrière suédoise. Et donc, remporte cette course, ce chaos sprint, Tove Alexandersson, la suédoise. Alors elle a gagné, elle est membre du classement Coupe du Monde les 9 dernières années. Attention, elle va essayer la passe de 10 cette année. Donc voilà, elle a 7 courses, 6. Elle est bien partie pour. Il restera 6 manches de Coupe du Monde cette année pour la décima. 10 titres, 10 Coupes du Monde d'affilée. C'est quand même incroyable, elle affole les stats, c'est tout simplement la meilleure orienteuse de tous les temps. Et c'est compliqué pour les filles qui veulent aller chercher des titres. Quand Tove est là, on s'aligne. Et ben voilà, Mathieu, ça se termine. Ce live se termine. On se retrouve demain, midi 10, pour le sprint individuel. Ça nous promet du beau match. On vous retrouve demain, midi 10, donc, pour cette deuxième manche de Coupe du Monde. Merci, Mathieu, de nous avoir fait suivre cette course aujourd'hui. Robin.
morgen für das Sprintrennen. Haben. Es war so richtig schön, das zu sehen. Richtige Hühnerherstimmung heute hier auf diesem schönen Zielanlage. Seit morgen wieder dabei. Und wie gesagt, heute Abend 20:00 die Siegerehrung der Bestsechsplatzierten im heutigen Knockout-Sprint bei den Damen wie auch bei den Herren. Und da werden Sie das Gefühl haben, nein, ich darf heute Abend nicht dabei sein, ich muss ja noch die Hockeyaden im Fernsehen sehen. Das ist kein Grund. 18:20 wird hier auf dem Platz, auf dem großen Screen, unsere Hockey-Nationalmannschaft übertragen werden. Das heißt, man kann sie auch hier live sehen in einem Public Viewing. Also es gibt alle Gründe, hier zu bleiben. Wir freuen uns auf euch alle. Und es gibt auch gute Verpflegung hinter hier in der Stadt, auf dem Unzingerplatz, dort das Beifest stattfindet. Hat es bereits jetzt Verpflegungsstände, wo ihr euch stärken könnt für entweder euer eigenes Rennen morgen, aber auch um heute Abend am Beifest und an der Siegerehrung da dabei zu sein. Herzlichen Dank und wir sehen uns bald.